Bonjour à tous. Alors, nous sommes sous pression de l'artificialisation. Mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, partenaires télétravaillants, eh bien, merci à vous de nous rejoindre pour le webinaire à deux. Alors, vous êtes un public très averti, au sens propre et au sens figuré de l'artificialisation des sols. Merci de nous rejoindre et de nous, qu'est-ce qu'on a fait, les agences? On va essayer de vous proposer une copie équilibrée, je l'espère, entre une partie d'information experte et de questionnement communicant. Vous découvrez la slide des invités. Alors, je vous invite à sa lecture du point de vue de la diversité des partenaires représentés, car nous aurons l'Université de Saint-Étienne, Christelle Morel-Journel, Roll of Verage, l'Institut d'urbanisme de Lyon, Fabrice Gravier de la DREAL, Sébastien Sperto, le CAUE du Rhône Métropole, Émeric Fabry de l'EPORA, M. Clergeau Philippe du Musée d'histoire naturelle, Jean-Luc Lachary, Anne Courtec, représentant la Fédération française du bâtiment. Du côté des EPL, Guillaume Lebeau, du côté de Novim dans le Forez, et puis bien sûr Jérémy Tourtier, le CEPAD, mais bien sûr la coordination Interscot. Et je vois apparaître Olivier Roussel et Ludovic Meyer, nos directeurs adjoints, qui vont bien sûr lancer le débat. Frustration quand même de ne pas être en présentiel, hein, parce que quoi de mieux qu'une pause café pour faire du bon partenariat. Mais je m'en remets aux encouragements de la chef projet Sabine Neuzier, qui nous dit bien qu'il s'agit là d'une première étape. Je salue la présence d'Anne-Gaëlle Contin du côté de Saint-Étienne, Jean-Christophe Tépélian à Lyon et Benjamin Frito qui sont vigilants pour le chat. Je me retourne vers Olivier Roussel et Ludovic Meillet pour cette introduction. Alors Ludovic, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, alors vous allez nous emmener dans une introduction qui va nous remettre au cœur de la mélisse de ses caractéristiques et peut-être même nous inviter à l'apprécier avec une palette de couleurs. La parole est partie. Alors, nous allons faire ça de voix avec Olivier, bien sûr, si on peut passer à la diapositive suivante. Le concept législatif, évidemment, et notamment le projet de loi Climat Résilience, incite l'ensemble des territoires à l'échelle française à pas mal de réflexions en ce moment sur la question de la sobriété foncière. Le choix des deux agences d'urbanisme a été de mettre en œuvre des perspectives locales et métropolitaines de manière commune. Et les deux agences ont donc décidé de partager leur approche. Elles le font depuis longtemps, notamment sur des questions d'observation. Nous y reviendrons, mais elles ont souhaité aussi mettre en place des expertises, des décryptages, en tout cas des démarches itératives et complémentaires dans leurs programmes partenariaux, ce qui permet notamment de l'organisation de ce séminaire qui se veut partenarial, collaboratif et qui doit permettre surtout d'apprécier l'objectif de sobriété foncière au regard des contextes différents des territoires qui composent l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne. Qu'est-ce que l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne? Pour la plupart d'entre nous, au vu du casting des invités aujourd'hui, nous la connaissons, mais c'est toujours bien de se remettre quelques chiffres dans la tête. C'est 42% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 41% des emplois de cette même région, c'est 970 communes. C'est un système urbain polycentrique, en tout cas organisé autour de différents niveaux de polarité. C'est 80% d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et en perspective, c'est une perspective de l'INSEE, grâce au modèle Omphale, c'est plus 400 à plus 500 000 habitants attendus d'ici 2040, ce qui, pour un Stéphanois, mais aussi pour un Grenoblois, pourrait être traduit par une métropole de plus dans ce périmètre métropolitain. Quelques repères sur l'artificialisation et ses dynamiques. Cela nous paraissait important, peut-être pas de rentrer dans tous les chiffres, mais en tout cas de donner quelques ordres de grandeur. À peu près 10 000 hectares ont été artificialisés ou consommés entre 2019 et 2018 à l'échelle de l'aire métropolitaine, les trois quarts pour l'habitat. L'artificialisation est forte le long des axes routiers, aux abords des grandes villes. Notons quand même une tendance à la baisse quand on regarde les deux bornes de démarrage de la dernière décennie, à peu près une baisse de 30%, soit à peu près 200 hectares de moins de consommés quand on compare 2009-2010 à 2017-2018. Évidemment, tout de suite, cette information est à relativiser parce que cette tendance à la baisse est nationale. Rappelons qu'en France, c'est à peu près 20% sur la même période d'artificialisation en moins qui ont été réalisés. Est-ce que cette tendance est due
durable, c'est une vraie question, car on repère, et y compris dans notre région métropolitaine. Je ferme, ça a commencé. L'augmentation des tendances entre 2016 et 2018. Oui, je me permets de t'interrompre une minute, Ludovic. Un des micros des participants est ouvert. Donc, merci de bien vérifier tous vos micros et de les fermer. On poursuit donc, Ludovic, sur cette très bonne démonstration. Les villages sont sur la diapositive suivante. Les villages sont la première source d'artificialisation. Ici, vous avez village, polarité locale, polarité métropolitaine, tout ça est bien évidemment assis sur ce que disent les SCOT aujourd'hui en matière de hiérarchie urbaine à l'échelle de l'aire métropolitaine et des 13 SCOT qui la composent. Bon, cette introduction n'a pas vocation à pointer spécifiquement les villages. Il est normal qu'ils soient quelque part en masse là où se passe l'artificialisation, car elle représente 68% des communes. Pour autant, notons quand même qu'ils représentent 50% de l'artificialisation et 28% de l'accueil des nouveaux habitants, si nous prenions ce critère. Essayons de prendre un peu de hauteur par rapport à cette première introduction chiffrée et basons-nous sur un travail réalisé par l'Observatoire des territoires et la ANCT. Ici, sur cette carte, et c'est ça la palette de couleurs, Angèle, auquel vous faisiez un clin d'œil au début de ce séminaire, prenons les palettes rouges et violettes. Ces palettes rouges et violettes représentent les territoires qui aujourd'hui ont connu une hausse de l'artificialisation supérieure à la moyenne nationale. Évidemment, ils le font dans des contextes démographiques très différents. On doit s'interroger sur cette vision parfaitement économétrique des choses, où le seul indicateur de performance a l'air d'être l'augmentation de population. On aurait pu faire une carte identique sur l'augmentation de l'emploi. Certainement que l'objectif ZAN mérite un peu mieux. Cette vision-là est peut-être un petit peu contestable. Il s'agit certainement de trouver aussi des manières de performer et des manières d'être d'efficience au regard de l'artificialisation qui ne se base pas seulement sur des augmentations de population d'emploi. Et c'est bien ça l'objectif du zéro artificialisation net. On l'aura bien compris. Je me permets d'inviter les participants à bien fermer leur micro. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez-y, Ludovic, excusez-moi, allez-y. Retenons de cette carte, peut-être au-delà de cette injonction un peu critique de ma part sur la méthodologie, retenons tout de même que globalement, au regard du rythme d'artificialisation, et c'est tous les cercles rouges qui le montrent, ce sont l'ensemble des grandes agglomérations et des grandes métropoles et de leur bassin de vie ou aire d'influence qui sont concernés par des rythmes d'artificialisation aujourd'hui qui sont les plus importants en France. Le défi est donc majeur à l'échelle nationale. Il questionne à la fois les unités de mesure, mais aussi les formes et les modalités de l'artificialisation pour espérer arriver vers une territorialisation d'objectifs nationaux qui soit parfaitement adaptée à chacun des territoires au regard de l'objectif visé. Je cède la parole à Olivier pour poursuivre cette introduction et introduire l'ensemble du séminaire. Mais merci beaucoup, Ludovic. On l'aura bien noté à travers vos propos, la mélise d'un territoire moteur et la mélise, effectivement, l'histoire et peut-être le futur d'une couleur. Je passe la parole donc à Olivier Roussel, qui va nous emmener donc un peu comme le teaser dans ce verse jaune de la notion des dynamiques écologiques à aller rechercher. Olivier. Merci Angèle, bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'équipe avait souhaité que je conclue le propos de Ludovic par une prise de recul par rapport à cette question de l'artificialisation des sols. Une prise de recul temporelle d'abord pour vous dire que l'artificialisation des terres, c'est une dynamique ancienne. C'est un processus historique sur le temps long des villes. Et ce temps long des villes, il marque une accélération forte du processus d'urbanisation tout au long du XXe siècle. On rappelle bien sûr que notre pays, encore dans l'entre-deux-guerres, était un pays à dominante rurale et qu'il est devenu en l'espace de 70 ans un territoire essentiellement urbain. Alors aujourd'hui, on considère que les habitants des aires urbaines représentent 80% de la population française, mais en général, les géographes considèrent que nous sommes entrés dans un moment dit de l'urbain généralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité vécue de nos habitants dans nos territoires, pour 98% d'entre eux, c'est un vécu social, d'interaction, d'économie, d'emploi, qui est un vécu d'urbain. Le rural dit profond ne représentant qu'une portion maintenant tout à fait infinitésimale de la population. Dans l'histoire aussi, le XXe siècle marque un essor des grandes villes, notamment des très grandes d'entre elles. On a parlé de mégapoles,
On parle en France de métropole. Oui. Certains ont écrit le temps des métropoles. Effectivement, c'est l'émergence de grands systèmes urbains, de vastes systèmes urbains qui se mettent en place tout au long du XXe siècle en parallèle de l'essor économique et de la société marchande. Étalement et baisse de densité, sous le poids des facteurs socio-économiques, il faut le rappeler, il y a des tendances de fond en termes de périurbanisation et d'étalement et de baisse de densité qui sont alimentées par des facteurs socio-économiques très importants. Bien sûr, la baisse tendancielle du nombre de ménages dans le territoire de l'aire métropolitaine, je crois qu'on était de l'ordre de 3 personnes par ménage dans les années 60. La moyenne est aujourd'hui à 2. Vous vous rendez compte ce que ça veut signifier en termes de nécessité de production de logements supplémentaires. Les niveaux de vie aussi ont progressé. Et avec les niveaux de vie, on y reviendra, la motorisation des ménages, l'essor de la propriété promue par l'État, lourdement promue par l'État, notamment à partir des années 70, a eu aussi un impact très fort sur les dynamiques d'étalement des villes. Et puis aussi, ce qu'on appelle l'entre-soi, les pratiques de mise à distance, ont aussi été des dynamiques très très fortes. On parle de disparités socio-spatiales, de ségrégation socio-spatiale, ont eu des effets extrêmement forts sur l'étalement des villes. Rappelons aussi que tout au long de ce XXe siècle, et en partie depuis les années 50, on hérite aujourd'hui de la ville automobile. Et que la motorisation des ménages a été un puissant facteur d'étalement des villes. Je rappelle souvent que notre pays, au sortir de la guerre, la dernière guerre, c'était 1 million de véhicules. Aujourd'hui, c'est plus de 32 millions de véhicules. Le parc auto a été multiplié par 32. On se rend compte aujourd'hui que cette ville automobile, cet héritage, il a produit de l'étalement. Il a produit aussi une forte occupation de l'espace par l'auto, que ce soit par sa circulation, son stationnement, sa réparation, sa commercialisation, sa production. Un phénomène majeur à avoir en tête, les villes se dilatent bien plus vite qu'elles ne croissent en population. Et c'est un phénomène mondial. On a aujourd'hui, tout au long du XXe siècle, les grandes métropoles du monde et d'Europe ont vu leur occupation dans l'espace être multipliée par 3, par 4, voire par 5 pour certaines métropoles d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et elles ont cru en population dans un facteur bien moindre. En parallèle de ce processus de périurbanisation et d'étalement, on assiste à un autre processus qui est son corollaire, c'est la verticalisation et l'accroissement de la valeur foncière des espaces centraux. Ça, c'est un élément majeur avec Ludovic, on pourra y revenir. Je pense que dans le débat, on y reviendra. Dans les cœurs de métropoles, dans les cœurs de villes, dans le cœur des systèmes urbains, se noue l'essentiel des échanges et se concentre l'emploi. Et ce phénomène de verticalisation de concentration, en parallèle des phénomènes de périurbanisation et d'étalement, sont deux phénomènes qui se nourrissent et interagissent. Il ne faut pas les regarder comme deux phénomènes séparés, mais au contraire comme des phénomènes qui se nourrissent. Et dans ce contexte historique, une difficulté de plus en plus forte à introduire une planification d'ensemble. Deuxième diapo et j'en finirai par là. Donc, rappel de ce processus historique. Un processus aujourd'hui qui est fortement questionné. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui on le met sur la table, ce processus de périurbanisation ? C'est pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il est indissociable des désordres environnementaux globaux. L'artificialisation des sols, c'est un phénomène parmi d'autres qui entre en ligne de compte dans la trajectoire non soutenable de consommation planétaire par les humains. Alors, l'impact des humains sur la Terre, c'est quelque chose qui a été décrit il y a très longtemps déjà. Platon en parlait, les géographes, les historiens du 19e siècle, notamment en Grande-Bretagne, en parlaient déjà. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène d'accélération et de rentrée en crise du système Terre qui aujourd'hui fait l'unanimité, en tous les cas chez les scientifiques. On est entré dans l'ère, diront certains, de l'Anthropocène. Et donc, dans un système de grande accélération de cette trajectoire non soutenable de consommation planétaire par les humains, les indicateurs écologiques sont tous dans le rouge. Et ces indicateurs écologiques qui sont dans le rouge nous entraînent à remettre en cause profondément les modèles de développement de nos sociétés, avec une nécessité de changer les formes de notre planification sans pour autant abandonner ce qui marche. Et donc, j'en finirai par cette petite intro, par une espèce de pirouette qu'on a partagée avec l'équipe projet hier ou avant-hier, c'est que pour nous, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On n'a pas rien fait ces 50 dernières années quand on a fait la planification de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, depuis le travail de nos collègues, nos anciens collègues de l'OREAM dans les années 69-70. Il faut continuer à travailler sur les limites spatiales du développement. Il faut continuer à faire de la planification. On pense d'ailleurs que le ralentissement du rythme d'artificialisation des sols dans notre aire métropolitaine n'est pas sans relation
avec la pleine effectivité des SCOT, des 13 SCOT, à partir des années 2008-2009. Mais aujourd'hui, il faut travailler sur les limites spatiales au développement, mais il faut travailler aussi en parallèle sur d'autres types de limites, les limites biophysiques, et donc avoir une approche écosystémique de cette question de la périurbanisation. Voilà, je dis très rapidement, j'avais dit 8 minutes, je voudrais conclure mon propos par trois éléments. Le premier, Ludovic en a beaucoup parlé, pourquoi c'est important de travailler à cette échelle de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, parce qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, il y a un consensus politique et technique pour dire que c'est à cette échelle des deux grands systèmes emboîtés, urbains emboîtés de Lyon et de Saint-Étienne, que se jouent et que se défont les grands équilibres. Mm-hmm. Premier message. Le deuxième étage, l'artificialisation, oui, on arrive à la réguler, mais on est quand même dans un trend qui n'est pas soutenable, de l'ordre de 10 000 hectares tous les 10 ans, 14 000 terrains de foot tous les 10 ans, c'est pas soutenable. Et le troisième étage, l'artificialisation, Ludovic l'a dit, ça se passe essentiellement dans les territoires périurbains, mais ça se joue partout, et notamment dans les centres. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ça se passe essentiellement dans les villages que ce sont les élus et les citoyens des villages qui portent la charge de la rectification de la trajectoire d'artificialisation. Ça se joue partout dans le territoire, et notamment sur des phénomènes qui se passent dans les centres urbains. Voilà. Merci Olivier pour cette impulsion avec Ludovic, parfaitement dans le chrono. Bravo messieurs. Et c'est parti, première table ronde. Fabrice Gravier, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien en retour ? Oui, je vous entends parfaitement bien. Alors, bienvenue au webinaire à deux pour parler de sobriété foncière. Et voilà, vous commencez, vous initiez le débat. Ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple. Vous êtes chef du service mobilité, aménagement, paysage à la DREAL. Et je vais tout de suite vous poser cette première question de la table ronde, Fabrice Gravier. La sobriété foncière, est-ce qu'il s'agit là de nouvelles limites ? Je vous rappelle que la table ronde 3 vous écoute avec aussi des opérateurs, des aménageurs aussi peut-être un peu inquiets. Donc, est-ce qu'il s'agit de nouvelles limites ou une inversion des regards ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir dans cette première table ronde. Pas facile d'intervenir après Ludovic Meyer et Olivier Roussel qui en ont déjà dit beaucoup, mais je vais m'inscrire dans la continuité en faisant peut-être quelques rappels complémentaires, bien sûr. Mais qui s'inscrit bien dans cette idée d'évolution des regards, je pense. La première chose, c'est qu'on a longtemps considéré le sol dans sa dimension surfacique, en parlant de foncier, en le percevant finalement comme une surface plane, productive, disponible pour les activités humaines, le logement, les infrastructures de transport, l'industrie, les loisirs et bien d'autres, et une notion associée au droit de propriété. Aujourd'hui, on est passé de cette logique 2D à une logique 3D en considérant le sol comme une couche de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur et en les percevant comme une ressource vivante qui rend des services écosystémiques au-delà de leur valeur économique, une ressource qui est rare et qui est convoitée pour de multiples usages. D'ailleurs, les rapports du GIEC indiquent bien que dans le premier mètre de sol, il y a plus de carbone que dans l'atmosphère et dans les végétaux, en particulier grâce à la biodiversité qui est présente. Alors, de même, un petit mot sur l'artificialisation. L'artificialisation, on peut la définir comme la transformation d'un sol naturel, agricole ou forestier par des aménagements entraînant une imperméabilisation totale ou partielle. Et on parle souvent de consommation de ces espaces, consommation des espaces naturels, agricoles, forestiers. Alors, en réalité, le code de l'urbanisme, pas plus que le code de l'environnement, ne propose de définition juridique de l'artificialisation. Et d'ailleurs, on ne devrait pas parler d'artificialisation, mais de plusieurs processus d'artificialisation distincts par leur nature et leurs impacts. Évidemment, un parking bitumé n'a pas tout à fait les mêmes effets qu'un parc urbain vert sur la capacité à absorber l'eau ou pour accueillir la biodiversité, par exemple. Alors, on le note, c'est très intéressant. Alors, de même, je dirais que les outils ou méthodes d'observation sont diverses et ont chacune leurs limites. Certaines sont basées sur l'analyse d'images satellites, comme SPOT-TEMA, par exemple, que l'on connaît bien sur l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, ou sur les fichiers fonciers. Alors, en complément, mais pas beaucoup de chiffres, beaucoup ont été donnés. On estime que le taux d'artificialisation en France est entre 5 et 10 % à l'échelle nationale.
selon les outils de mesure. Quand on le rapporte à la densité de population, la France apparaît plus artificialisée que ses voisins, que les principaux États membres de l'UE et que le Royaume-Uni. Donc ça, c'est une particularité française. Et si on regarde les chiffres de consommation basés sur les fichiers fonciers, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le portail de l'artificialisation mis en place par le gouvernement à l'été 2019, chaque nouvel habitant en Auvergne-Rhône-Alpes représente une consommation de 622 mètres carrés et 29 km² d'espace naturel, agricole et forestier ont été consommés en 2019, ce qui est plus que le lac d'Annecy. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans la diapositive, deux tiers sont à usage de logement, avec une répartition territoriale qui est très hétérogène à l'intérieur de la région. Alors, les phénomènes ont été évoqués, l'étalement urbain, périurbanisation. Je signalerai aussi la question de la dépolarisation de certaines centralités importantes. L'étude exploratoire des centralités sur l'aire métropolitaine réalisée par les agences d'urbanisme en 2017 l'a bien montré. Merci de la citer. Je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir. Et elle croît beaucoup plus vite, on l'a dit, que la population. Alors que la région et l'aire métropolitaine vont connaître une croissance plus forte que la moyenne nationale dans les prochaines décennies. Certains territoires d'ailleurs qui sont en décroissance démographique connaissent une forte artificialisation. Alors on l'a cité, il y a le changement de la structure familiale, le vieillissement de la population, l'augmentation de la vacance en logement, les logements secondaires, et puis aussi l'aspiration à la maison individuelle, on pourra y revenir. D'ailleurs, si on regarde bien l'histoire de la réglementation, je ne crois pas que ça ait été cité par Olivier Roussel, le code de l'urbanisme était construit pour libérer le foncier, pour faire des maires des bâtisseurs, et je dirais que les dispositifs fiscaux des dernières décennies en faveur de la production de logements étaient quelque peu en contradiction avec l'enjeu de maîtrise de l'étalement urbain. Alors, les enjeux, j'en rappelle quelques-uns. L'artificialisation, ça contribue à l'érosion de la biodiversité, réduction de la capacité de résilience face aux inondations, perte de productivité agricole, banalisation des paysages, et c'est finalement une des causes premières du changement climatique. Alors, si on en vient à la réglementation, puisqu'on a une actualité forte avec le projet de loi climat résilience, en réalité, ça fait une douzaine d'années que le législateur s'est penché de manière très régulière sur cette question de l'artificialisation, ou au moins de la maîtrise de l'urbanisation. Après, bien évidemment, 40 ou 50 ans de planification, hein, comme ça a été rappelé. La loi Grenelle 2 en 2010, la loi Allure ou la loi Agriculture, la LAF en 2014, la loi de reconquête de la biodiversité en 2016, la loi Elan en 2018. Alors, toutes ces lois, en complément de la planification et des différentes actions publiques, hein, ont bien contribué à la baisse régulière de la consommation d'espace observée depuis 10 ans, ça a été dit. Par contre, est-ce que la tendance est durable ? N'est clairement pas évident. On a observé un phénomène de stagnation, voire de légère hausse depuis 2018, observé en 2018 et 2019. On attend les chiffres pour 2020. Alors évidemment, 2020 est une année peut-être non représentative. En tout cas, rien n'est gagné à ce jour. Alors, ce qui a invité effectivement le gouvernement à se fixer un objectif à terme de zéro artificialisation nette. J'y reviendrai dans le plan biodiversité de 2018. Alors, à l'échelle régionale, en complément de ces textes législatifs, il y a deux documents stratégiques qui viennent définir des objectifs ambitieux, hein, sur la lutte contre l'artificialisation et pour la sobriété foncière. Tout d'abord, le SRADET, je pense que vous connaissez tous, hein, donc élaboré par le Conseil régional et approuvé en avril 2020. Et puis, la stratégie de l'État en région sur l'eau, l'air et le sol, validée en mai 2020, quelques semaines après. Alors, le SRADET, il se montre ambitieux, hein, il pose des objectifs de limitation de la consommation d'espace, d'encadrement de l'urbanisme commercial, de préservation de la ressource en eau, de protection et de restauration de la biodiversité. Et puis bien rappeler que les SCOT, et à défaut les documents intercommunaux ou communaux, hein, devront prendre en compte les objectifs du SRADET et être compatibles avec ces règles. La stratégie de l'État en région sur l'eau, l'air et le sol est dans le même esprit. Elle vise à préserver Aurac en tant que territoire vivant, attractif, en préservant ses ressources à l'horizon 2040. Donc l'idée, c'est de maintenir le développement et l'attractivité de la région, qui est dépendant effectivement de la disponibilité et surtout de la qualité de l'eau, de l'air et du sol. Et sur le volet sol, la stratégie se donne en particulier l'objectif d'atteindre le ZAN en 2040 et se fixe un premier objectif en 2027 de réduire la consommation de moitié par rapport à une période de référence. Alors, je vais vous inviter
parce que là, il y a quand même beaucoup de limites qui apparaissent. Je vais vous inviter sur les deux minutes restantes à aller un peu sur cette inversion de regard que vous nous proposez. Alors, sur 2017. Tout à fait. En avançant un peu, le changement de regard, c'est quoi? Tout d'abord, sur les limites, je dirais que l'enveloppe urbaine, c'est une limite qui était déjà connue. L'idée, c'est simplement de ne pas sans cesse la déplacer, mais maintenant de veiller à ce que ce soit une limite à ne pas dépasser. Le changement de regard, c'est aussi s'inscrire pleinement dans la logique éviter, réduire, compenser les atteintes à l'environnement, comme on l'a fait aujourd'hui sur le pas de perte nette de biodiversité, par exemple. C'est aussi passer d'une logique d'économie linéaire, hein, où les sols sont perçus comme une ressource illimitée. D'accord. Une logique d'économie circulaire avec des ressources à préserver, passer d'une logique d'aménagement à une logique de ménagement. C'est évidemment, pour réussir le ZAN, c'est effectivement la densification et la reconstruction de la ville sur la ville, mais c'est aussi, je dirais, une plus grande place à la nature en ville, au paysage, à la désimperméabilisation des sols, d'avoir des constructions plus durables et résilientes. Ça nous fait changer de regard, je dirais, sur les friches, par exemple. Les friches, aujourd'hui, sont perçues comme des verrues. Demain, et en fait déjà aujourd'hui, elles peuvent être perçues comme de nouvelles ressources pour l'évitement, hein, évidemment, mais aussi pour la compensation, pourquoi pas, si on arrive à les renaturer. Et puis aussi, ce que je voulais citer, c'est l'importance de changer le modèle d'habitat désirable, passer de la maison individuelle sur un terrain de 1000 m² à un logement plus compact, durable, éco-conçu, dans un environnement urbain intégrant pleinement la nature en ville. Juste un mot quand même sur l'actualité, le projet de loi climat-résilience, très rapidement. C'est une première étape aussi dans la trajectoire de ZAN. Alors le ZAN, hein, c'est réduire l'artificialisation brute, mais c'est ensuite la compenser pour avoir une artificialisation nette qui soit nulle. La loi climat-résilience, elle prévoit d'intégrer dans les docs de planif cet objectif de réduction de moitié à 10 ans de la consommation d'espace. Elle intègre aussi, hein, cet esprit de la logique éviter, réduire, compenser, notamment sur la création de nouvelles surfaces commerciales, puisqu'elle prévoit d'interdire, hein, d'une part, les nouvelles surfaces commerciales entraînant de l'artificialisation, mais elle permet une dérogation si l'artificialisation est compensée par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé. D'accord. Donc, c'était quelques exemples sur le projet de loi climat. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, Fabrice. On va écouter Roland Verrage et Eric Fabry, mais je vous ferai réagir sur quand même 2-3 points sur cette notion de réversibilité, de temporalité assez longue. Hein, je reviens vers vous. Et puis aussi de la pédagogie, de la communication. C'est important puisqu'il faut tous qu'on soit derrière. Donc, je vous dis juste à tout à l'heure et j'invite Olaf Verrage. Bonjour, Olaf. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Merci. Alors, vous nous faites toujours l'amitié de nous accompagner lorsque on initialise des grands cycles. Vous étiez avec nous pour le modèle multipolaire. Vous êtes là aujourd'hui pour parler de la sobriété foncière. Roloff, même exercice, 10 minutes, un peu formel pour évoquer. Est-ce que pour vous, s'engager dans une trajectoire de sobriété foncière, il y a des nouvelles limites qui sont très, 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 très visibles, ou alors il y a une inversion de regard que peut-être votre approche culturelle peut nous amener à approcher? Oui, merci. Et merci d'organiser ce séminaire et merci de m'inviter pour partager quelques réflexions avec vous à ce sujet. La sobriété foncière, c'est un élément de la politique de planification territoriale depuis longtemps, mais sous le vocable de maîtrise d'étalement urbain. La zéro artificialisation nette paraît comme la nouvelle incarnation de cet objectif, motivé cette fois-ci par le maintien de la biodiversité plutôt que de celui du paysage. Toutefois, ce qu'implique précisément ce concept ZAN reste pour le moment flou, on l'a entendu dans les premières présentations finalement, et ce qui pose d'importantes questions quant à son opérationnalisation. Et je veux profiter de cette présentation pour soulever 3 points à ce sujet. Ouais, je peux peut-être montrer la première image que j'avais soumise à l'animatrice. Mon premier point concerne la définition de l'artificialisation des sols. La notion d'étalement urbain s'inscrit dans un registre qui oppose l'urbain au rural.
C'est une opposition qui est fortement mise à mal par l'évolution de l'espace périurbain. Il est donc utile de la remplacer par une autre, mais pas laquelle. Pour le moment, l'artificialisation semble essentiellement faire référence à deux oppositions. La première est celle de l'espace anthropisé à l'espace naturel. Le deuxième est celui de l'opposition et de l'opposition de l'espace imperméabilisé à l'espace perméable. Quand on essaye de classer différents types d'espaces, et là j'avais une image avec une zone périurbaine, voilà, on va le montrer là. Quand on essaye de classer ces trois types d'espaces dans ces oppositions, on voit bien que les catégories ne sont pas étanches et puis peut-être même pas satisfaisantes. L'espace agricole intensif, avec son sol perméable, mais complètement anthropisé, est probablement moins intéressant pour la biodiversité que l'espace périurbain, partiellement perméabilisé, mais qui laisse la place pour des éléments naturels comme des haies, des bosquets et dans une moindre mesure des jardins. Donc il reste un travail de définition à faire. Voilà, c'était juste cette image-là que je voulais montrer. On peut l'enlever maintenant. Pour être pertinent, et c'est mon deuxième point, ce travail de définition devrait permettre de sortir de l'opposition binaire entre sol artificialisé et sol pas artificialisé, pour permettre une approche plus diversifiée de la sobriété foncière. Quand on réfléchit à la mise en œuvre de l'objectif ZAN, cette opposition binaire paraît peu tenable, pour plusieurs raisons. J'en citerai deux. La première concerne la forte densification de l'espace urbain nécessaire pour parvenir à l'objectif ZAN, une densification qui pose question quant au maintien de la qualité urbaine. Et la crise sanitaire qu'on vit en le moment le met en évidence. Là, on a besoin de l'espace libre dans le tissu urbain existant. La deuxième raison qui fait que l'objectif ZAN paraît difficilement tenable, si elle est interprétée de façon trop binaire, concerne l'accès au foncier et derrière cela, au logement et aux locaux d'entreprise. L'objectif ZAN réduira l'offre du foncier pour le développement urbain, notamment l'offre de foncier relativement facilement mobilisable en extension des villes. Le report de la demande sur le foncier dans le tissu urbain existant risque de réduire l'offre de logements et de locaux d'entreprise et d'augmenter le coût de leur production. Et donc, il est fortement probable qu'il s'en suivra une augmentation des prix de l'immobilier, voilà, avec tout ce que ça impose. La mise en œuvre de l'objectif ZAN doit donc laisser de la place pour maintenir une certaine dynamique combinée à une certaine qualité de l'espace urbain. Il paraît pour cette raison judicieuse de ne pas l'appliquer de façon univoque partout, mais plutôt de façon différenciée en fonction de la qualité des terrains en question. Et ça a déjà été mentionné par les premiers intervenants. Ou plus précisément, en fonction des services écologiques et patrimoniaux que rendent les terrains. Est-ce qu'une telle approche ne risque pas de nuire à l'objectif de maintien de la biodiversité, qui est à la base de l'objectif ZAN? Pas forcément, si on prend en compte les différentes qualités des espaces artificialisés ou non, en termes de services écologiques et patrimoniaux. Et là, on peut peut-être montrer la deuxième image pour illustrer ce raisonnement. Je fais référence à une étude que je viens sur laquelle je viens de tomber aux Pays-Bas récemment, qui est menée dans le cadre d'un travail concernant les nouveaux besoins d'espace pour la transition écologique et énergétique. C'est une étude qui porte sur la protection de l'espace dans les politiques nationales et régionales menées par le ministère de l'Environnement. La sobriété foncière est une préoccupation forte des politiques territoriales aux Pays-Bas, même s'il n'existe pas d'équivalent d'objectif ZAN. Et en même temps, le pays a besoin de produire des logements pour répondre à des besoins forts, notamment en termes de logements abordables. L'objectif de l'étude était de contribuer à identifier les espaces disponibles pour répondre à ces besoins. Et pour cela, elle fait un inventaire de tous les régimes de protection qui s'appliquent au territoire. Une distinction a été faite entre des protections fortes, par exemple le réseau vert national, les zones Natura 2000, la bande côtière, les zones inondables, les zones concernées par la norme azote, et les protections plus faibles, comme des protections de l'héritage culturel et les paysages protégés. La superposition de ces éléments conduit à une carte qui donne une idée des services écologiques ou patrimoniaux rendus par les différentes parties du territoire. Et sur cette carte, que vous voyez donc à l'écran, 42% de l'espace néerlandais est blanc, c'est-à-dire pas artificialisé et pas de protection particulière. Et de ces 42%, 92% est terrain agricole, notamment des monocultures plus ou moins intensives dont nous avons déjà parlé. Pour le moment, il s'agit que d'une étude, mais on pourrait imaginer de mettre en face de ces catégories de terrain différents types d'occupations qui seraient permis en fonction des spécificités des différents terrains. Et une telle approche diversifiée de la sobriété foncière, qui prend en compte les services écologiques et patrimoniaux que rendent différents sols, permet de justifier la diversité du territoire et en même temps, de rendre justice à la diversité du territoire et en même temps de contribuer à atteindre l'objectif sous-jacent de la sobriété foncière qui est protéger la biodiversité.
et on peut enlever la diapositive. Je viens au troisième point que je souhaite relever, troisième et dernier point que je souhaite relever, c'est la question de la gouvernance et la gestion, et surtout l'échelle à laquelle gérer la sobriété foncière. L'objectif ZAN inclut l'idée de la compensation. C'est une idée qui peut être critiquable en soi, puisqu'il peut renvoyer à une sorte de marchandisation de l'artificialisation des sols, dans laquelle une ville peut acheter des droits artificialisés en plantant quelques arbres ou en créant une zone humide ailleurs. Ce n'est pas cette question que je souhaite développer ici. Je vais poser la question de l'échelle de la compensation. En fonction de l'échelle à laquelle on envisage la compensation, et donc la gestion de l'objectif ZAN, les effets sur le territoire ne seront pas les mêmes. Est-ce qu'il sera possible de compenser de l'artificialisation dans la métropole de Lyon avec une renaturation dans le Beaujolais vert, ou est-ce que la compensation doit être réalisée de façon adjacente au développement? L'organisation de l'espace en différentes zones plus ou moins artificialisées et la granulométrie de la future tâche urbaine dépendra fortement de cette échelle de gouvernance. Si on fait abstraction de la complexité inhérente et des conflits d'usage liés à l'occupation des sols, une gouvernance centralisée, combinée avec une opposition binaire entre espaces artificialisés et non artificialisés, est potentiellement le plus efficace en termes de sobriété foncière, parce qu'elle permettra de regrouper les fonctions urbaines dans quelques lieux très denses et de laisser le reste de l'espace non artificialisé. Les trois points que j'ai développés montrent que dès qu'on s'approche un peu plus du territoire et qu'on commence à prendre en compte ces différentes fonctions et utilisations, cette approche paraît très difficile à mettre en œuvre. Bien que je souscris à l'idée et à l'objectif de sobriété foncière, je me permets pour cette raison d'émettre quelques doutes quant à la pertinence de zéro artificialisation nette comme élément central des politiques pour atteindre cette sobriété. Et je vous remercie pour votre attention. C'est parfait, Roloff. Merci, c'est très bien amené, ces réserves, tout en finesse et dans une palette de couleurs. Alors, on était avec Ludovic dans ses tonalités plus alarmantes. Et là, merci de ce propos plus apaisant. Et on l'a noté, approche différenciée des services écologiques des territoires et déjà vous adosser, et grand merci, des représentations. Je vais vous rejoindre tout à l'heure, Roloff. Pour... Bien. Merci beaucoup. Aymeric Frappé. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors vraiment, vous avez entendu donc les deux premiers points de cette première table ronde. Il y a un micro ouvert. J'invite les invités à bien contrôler. Vous allez donc intervenir sur la deuxième table ronde. Et j'aimerais avoir quand même, avant d'écouter Christelle Morel-Journel, votre point de vue sur cette approche critique. Allez, disons-le, on commence un peu soft, mais vous avez aussi, vous, une perception sur les territoires et de ces inversions de regard, ou plutôt des limites. Oui, merci. En tout cas, merci aux précédents intervenants qui ont quand même planté un décor assez complet. Et je risque, dans certains de mes propos, de les paraphraser en arrivant en quatrième intervention autour de cette table. Je souscris complètement au discours qui vient d'être tenu par M. Roloff-Herrage. S'agissant, entre guillemets, des limites de la zéro artificialisation nette. Et moi, je vais adopter un point de vue qui est celui d'un opérateur foncier, donc dans la pratique quotidienne du foncier, qui, depuis 20 ans, se préoccupe de refaire la ville sur la ville, et notamment dans des territoires en déprise économique. Pour dire tout d'abord que nous trouvons le glissement, entre guillemets, de la sémantique et de la rhétorique autour de la sobriété foncière un peu dangereux, notamment parce qu'il véhicule un vocabulaire qui déplace le coupable. Entre guillemets, jusqu'à maintenant, le coupable était très clairement identifié, c'était l'étalement urbain. Le fait de traiter de la zéro artificialisation nette désigne dorénavant la construction. Et je crains que, entre guillemets, cela serve
l'entre-soi, qui a été évoqué, je crois, en début des réunions par un des deux intervenants de l'agence d'urbanisme, cette volonté d'entre-soi qui est en vérité le véritable moteur de la périurbanisation. Lorsque, sur un territoire, nous refusons la densité et nous souhaitons maintenir le cadre de vie dans lequel nous évoluons au quotidien et que nous ne voulons pas voir évoluer. Voilà, donc je voulais en liminaire, en fait, un peu pointer du doigt cette difficulté que la ZAN apporte en désignant comme coupable l'artificialisation, donc la construction, donc entre guillemets les sociétés humaines. Et il ne faudrait pas que nous tombions dans le malthusianisme avec cette nouvelle politique, une nouvelle formulation de cette politique de lutte contre l'étalement urbain, parce que la véritable motrice de la consommation, d'artificialisation des sols, d'attaque de la biodiversité, de rupture des couloirs écologiques, etc., etc., c'est bien l'étalement urbain, c'est-à-dire le fait de déplacer constamment cette limite urbaine dans l'agro-naturel. Alors, oui, on l'aura compris, vous allez même plus loin, parce que vous parlez du vrai problème des marchés de report et potentiellement le fait qu'il faut être très lucide et voir ça. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure une intervention qui disait « c'est dans les villages qu'on artificialise le plus ». Mais qui tout de suite a été nuancée en disant « c'est un phénomène global ». Moi, je souscris complètement à cela. Je dirais même que la première motrice de la périurbanisation, c'est le manque d'attractivité des villes. Il faut le voir, à mon avis, l'inverser un peu comme cela, puisque en réalité, si la population s'installe dans ces villages périurbains, ne va pas s'installer en fait dans les villes autour qui souffrent d'une attractivité. Hein. Je vous rappelle qu'on a des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour soutenir la vitalité et revitaliser qui maille le territoire, hein, les polarités secondaires, Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, l'OIN de Saint-Étienne. On voit bien en réalité, la difficulté, c'est de rendre la ville attractive, désirable. Et nous sommes dans une crise, à mon avis, de cette désirabilité de la ville, qui produit le facteur principal de périurbanisation. Donc du coup, une ville qui s'occupe de son cadre urbain, qui veut faire de la nature en ville, qui veut faire du vide pour se rendre plus attractive, elle produira naturellement des mécanismes de report vers l'extérieur pendant un temps qui devront être gérés par ces villages qui vont voir arriver une population et leur cadre de vie transformer. Oui. Ces mécanismes qui, à mon avis, sont à combattre absolument, et à ce titre, les dispositifs nationaux mis en place vont dans le bon sens. C'est la vigilance que vous activez tout de suite à l'issue de cette première table ronde. Je relaye d'ailleurs le chat, vous avez déjà effectivement des adhésions à votre raisonnement sur effectivement cette situation qui appelle des logiques et des solutions différentes. Je reviendrai à vous, Aymeric Fabrice, ne m'en veuillez pas. Je vais, puisqu'on a marre un peu, on va le dire, un peu la controverse sur cette question de la sobriété foncière, mais il faut s'engager. Je vais vous inviter à écouter l'interview de Christelle Morel-Journel et on va se mettre au vert. Qu'en pensez-vous ? Christelle Morel-Journel, le réseau des agences de Saint-Étienne et de Lyon a souhaité avoir votre vision, votre perception d'une possible controverse, alors au sens un esprit critique, qui permettrait un petit peu d'aller un petit peu plus loin dans l'approche de la zéro artificialisation nette des sols. Merci de cette question. Je suis ravie de contribuer autant que possible. Donc cette grande question de la zéro artificialisation non nette des sols renvoie à une expression associée, donc qui est celle de la sobriété foncière. Donc on est effectivement dans des nouveaux mots pour parler de la consommation des espaces naturels et agricoles.
et des nouveaux mots, comment dire, qu'il faudrait prendre au sérieux. C'est-à-dire que quand on dit sobriété foncière, que le foncier soit appréhendé non plus comme habituellement et de manière tout à fait intrinsèque à la discipline de l'aménagement comme de simples surfaces, mais bien comme des sols, comme des terres, comme des épaisseurs qui contribuent en tant que telles à la biodiversité, puisque c'est bien un enjeu de cette réflexion sur le ZAN. Et là, il est clair que cette consommation excessive des sols, particulièrement dans certaines régions, hein, la métropole stéphanoise qui n'a pas un dynamisme démographique aussi net que d'autres agglomérations en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, a eu une consommation de sol tout à fait qui dépasse largement la proportion de son accroissement démographique. Donc c'est une question effectivement très 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 sérieuse, et il ne faudrait pas que ces nouvelles expressions ne soient que cosmétiques et qu'on ne réfléchisse pas à ces processus d'urbanisation, d'anthropisation du monde qui mettent en danger notre vie d'humain sur cette planète, nos manières d'habiter la Terre. Mais si je comprends bien, vous avez une inquiétude. C'est-à-dire qu'au moment où vous me signifiez cette opportunité qui s'offre à nous de raisonner autrement, vous éprouvez une crainte. Assez clair, et cette crainte qui porte sur le terme net, je vais changer d'expression pour revenir sur le ZAN, parce que cet adjectif net, c'est un adjectif qui a une étymologie précise sur cette question extrêmement cruciale. Il faut être attentif au paradigme dans lequel on s'installe. Ce paradigme qui est en train d'émerger, qui est pensé, qui est celui de l'anthropocène, qui est celui de la nécessité d'un nouveau pacte entre les sociétés humaines, la Terre, toutes les dimensions du vivant, je crois qu'on démarre bien. Si, dans cette zéro artificialisation nette et les mécanismes associés, type ERC, etc., on reste dans une manière de réfléchir qui est celle de la pensée économiste ou économiciste, en tout cas celle qui est liée à cette tendance du capitalisme contemporain à marchandiser beaucoup de dimensions du vivant, et bien là, on risque vraiment de passer à côté d'une opportunité d'actualiser ce pacte et de renoncer à ces valeurs économiques qui ne sont liées qu'à une exploitation de la Terre et du vivant. Donc ça veut dire que le message que vous adressez à la table ronde, c'est que les protagonistes en présence ont, dans le fond, une responsabilité morale à poser les choses au bon endroit. Ils ont une énorme responsabilité, ils ont aussi un travail passionnant devant eux, à essayer de déconstruire des modes de raisonnement qui sont encore actifs dans la pensée de l'urbanisme et l'aménagement, ne serait-ce que cette idée fonctionnaliste aussi de faire une chose d'un côté et une chose de l'autre, oui, donc de remettre en cause des fondamentaux, j'ai envie de dire, mais pour des horizons qui sont vraiment absolument passionnants, notamment dans cette aire métropolitaine de Lyon-Saint-Étienne qui rassemble un nombre de configurations urbaines et territoriales tout à fait divers et dont les interdépendances peuvent être vraiment retravaillées, me semble-t-il, à l'aune de cette pensée plus anthropocène. Il est à craindre que ce dispositif prenne sens dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que nous vivons quand même dans une société marquée par un capitalisme, un système économique capitaliste, néolibéralisé, globalisé, et qui se traduit par la colonisation de logiques économiques liées au marché, voire liées au marché financier, ce qu'on appelle la financiarisation. Donc c'est vrai que dans ERC, notamment ce terme de compensation, il est quand même à craindre que l'on se retrouve dans un marché des droits à consommer de l'espace d'un côté, des droits à compenser cette consommation d'espace de l'autre, et qu'on ne sorte pas
dans la réflexion en tout cas, de ces mécanismes de raisonnement qui ne sont liés qu'à des valeurs économiques liées à l'exploitation de la terre, avec un T majuscule, comme on parle Bruno Latour. Alors, quel est votre message à cette première table ronde? C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour accompagner les efforts raisonnés de tous les protagonistes de la sobriété foncière, il faut travailler spécifiquement sur ce sujet et du mécanisme ERC? Non, je crois que rentrer par les outils déjà existants, ça me semble devoir contraindre la réflexion. Je crois que quelque chose comme la sobriété foncière dont on a parlé tout à l'heure est peut-être plus ouvert pour démarrer, pour pouvoir discuter de ce qui est à l'œuvre entre les sociétés, dans une forme de pacte entre les sociétés humaines et la Terre, que ça me paraît opportun d'en discuter de manière hybride, c'est-à-dire avec des acteurs qui relèvent de scènes différentes. Ça me paraît important d'en discuter dans une perspective multiscalaire, ne rien enfermer dans des territoires liés à des formes de gouvernement. Donc pour la réflexion proposée par les agences à l'échelle de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, je trouve qu'il y a des sacrées opportunités d'identifier des territoires un peu pilotes ou expérimentaux pour réfléchir à cette question-là, sans lâcher d'autres échelles comme celle de cette aire métropolitaine de manière globale, qui est un beau laboratoire aussi de configurations urbaines très différentes et dans lesquelles il ne faudrait pas que s'installe justement cette balance entre territoire subalterne, territoire perdant et territoire gagnant de la consommation d'espace artificialisé, par exemple. On peut aussi être aussi très attiré par une rationalité si tant est que nous ne serions pas capables de porter un propos d'intérêt général sur la sobriété foncière. Bien sûr, beaucoup de gens travaillent sur la question de la sobriété foncière en mesurant, en proposant effectivement une quantité d'approches en termes de systémique, d'économie circulaire, mais qui garde parfois cette tendance à compter, mesurer et peut-être là, il y a un décalage vraiment à opérer en termes de paradigme de pensée. Alors, je ne sais pas si ça mérite un adjectif comme culturel, mais de paradigme de pensée, parce que ce dont il s'agit au fond, c'est bien d'un nouveau pacte des sociétés humaines, politiques, leur gouvernement avec la Terre, au sens où en parle Bruno Latour, c'est-à-dire ce système qui nous comprend tous et qui ne peut pas se réduire à la seule dimension économique de l'existence des humains, qui doit bien se tourner davantage vers le vivant dont ils font pleinement partie. Et c'est quand même un enjeu extrêmement passionnant pour celles et ceux qui gouvernent les territoires aujourd'hui, dans des modalités de gouvernement qui sont appelées à changer pour mieux prendre en compte aussi cette dimension intrinsèque de la vie des humains dans leur environnement. Donc pour le groupe de travail qui est à l'orée de réunions absolument passionnantes sur ce sujet-là, je crois qu'il y a une interrogation fondamentale, mais qui nous intéresse tous, hein, c'est pas un message descendant que je délivre, une interrogation fondamentale sur les valeurs, sur les valeurs qui doivent être portées par les politiques publiques, par les instruments de politique publique, et qui relèvent de cette question fondamentale, quelle est la place des sociétés humaines dans le fonctionnement global de la Terre, et je crois que ce sont autant de mots à prendre tout à fait dans toute leur profondeur. Voilà. Merci beaucoup Christiane Marie-Journal et bravo à vous de formuler des points qui ne sont pas complètement évidents à mettre en perspective. Ce sont des questions absolument difficiles et je crois que l'enrôlement de l'ensemble de la société dans cette exigence qui est cruciale hein, de penser autrement est vraiment importante. J'ai bien noté qu'il y avait eu un certain nombre de difficultés pour écouter cette vidéo, mais vous l'avez remarqué, je suis restée imperturbable
et vous aurez l'occasion de réécouter Christelle Morel-Journel. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre encore pour assister à la deuxième table ronde. Je me remets peut-être en ligne avec Fabrice Gravier. Il nous reste 3-4 minutes. Fabrice, vous êtes ici? Oui. Alors, je ne sais pas, vous avez pu entendre Christelle Morel-Journel? Pas complètement, j'en suis à la moitié depuis mon téléphone portable. Bon, écoutez, je vous invite à interrompre cette diffusion. Mais pour résumer, Christelle Morel-Journel nous encourage bien à faire attention sur le paradigme dans lequel on se situe. Alors, soit effectivement l'Anthropocène et la Terre versus Bruno Latour, soit attention, nous dit-elle, sur des possibles dérives sur le mécanisme ERC et peut-être des dispositifs de dérive libérale. Alors, vous avez entendu beaucoup de limites ou d'inversions de regard. Qu'est-ce que vous notez en 2 minutes avant de laisser la place à la suite du débat sur ces recommandations? Comment les trouvez-vous? Écoutez, je crois qu'il y a une très bonne question qui a été posée par Roloff Vérac, c'est celle de l'échelle spatiale pour la compensation, avec en fait une question double, c'est-à-dire la première, à quelle échelle spatiale on doit atteindre le ZAN? Est-ce que c'est régional, un SCOT, un PLU, voire projet par projet? Et l'autre question qui est celle de la localisation des éventuelles mesures de compensation, qui sont deux questions pour moi un peu distinctes. Je rappelle simplement que sur le volet compensation biodiversité, aujourd'hui, on n'a pas observé de financiarisation, en tout cas en France, de ces mécanismes. Par contre, toutes les approches de type opérateur et banque de compensation ont du mal, peinent à se développer. Sur le volet compensation, je crois qu'on n'y échappera pas à titre personnel. Simplement, ça pose la question du modèle économique et peut-être de la fiscalité associée. Avec la question de la modulation de la taxe d'aménagement, voire d'une composante surtaxe d'artificialisation qui permettrait peut-être d'équilibrer les mécanismes, de financer des opérateurs, un fonds de compensation. Et on le voit, on a pu mettre en place un opérateur spécifique pour le littoral. On a créé les EPF pour recycler les friches dans certains territoires. Peut-être qu'on peut trouver le bon outil pour l'artificialisation. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Mais très bien, merci pour vos messages et je rajoute que je reviendrai vous chercher tout à l'heure sur la question effectivement de l'approche pour le grand public de toute cette question, car je sais que vous avez aussi des préoccupations et des volontés de nous embarquer tous dans cette sobriété foncière. Eh bien écoutez, merci à tous, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais là je suis pile dans le chrono, donc je vais peut-être inciter chacun à aller ouvrir la partie deuxième table ronde. C'est bon pour tout le monde? Je vois que les chats se sont calmés sur le problème de la vidéo. Ça fait du bien. Alors, nous commençons cette deuxième table ronde qui s'annonce tout aussi passionnante que la première avec le directeur du CAUE Rhône Métropole qui va un peu challenger avec Philippe Clergeot, donc professeur au Muséum National d'Histoire, et Émeric Fabry que nous allons retrouver et qui va être plus sous sa casquette Épora recyclage de foncier. Alors, Sébastien Sperto, vous nous faites l'amitié de nous rejoindre. Sébastien? Oui. Voilà, oui, vous m'entendez? Voilà, je vous entends très, très bien. Bonjour, Angèle. Merci. Bonjour, quel plaisir de vous avoir ex-collègue et directeur du CAUE Rhône Métropole pour évoquer effectivement cette notion des sols et de cet urbanisme écologique. Alors, l'œil du CAUE, il est quand même vraiment intéressant. Il est peut-être aussi de ce qui passe en surface. Est-ce que vous pouvez m'apporter en 10 minutes vos fondamentaux, j'ai envie de dire? Alors déjà, merci bien de nous avoir invités à témoigner pour le CAUE Rhône Métropole. Je dirais juste que les CAUE, c'est aussi un réseau au niveau régional qui est important, parce qu'il y a 11 CAUE qui travaillent sur le territoire et ce sont aussi des acteurs de proximité. Donc cette notion qui est abordée de l'artificialisation des sols, pour nous, elle a un enjeu qui est, il y a déjà eu beaucoup de choses de dites, effectivement très importantes, et on voit la complexité du sujet. Et donc l'angle effectivement que moi j'ai choisi de partager avec vous en termes de témoignage,
c'est cette idée d'avoir aussi une dimension culturelle dans cette compréhension des enjeux. On ne peut pas effectivement peut-être n'aborder ces questions que dans un registre qui est essentiel, qui est cette question de l'observation et puis de la régulation, mais aussi du coup tout ce champ de la question de la culture qui touche nos territoires. Et pour le CIRE de métropole, ça fait partie des missions régaliennes de toute façon des CIRE d'accompagner les territoires sur des questions de sensibilisation, d'éducation, de formation et de conseil. Et dans ce cadre-là, le CIRE de métropole, effectivement, s'est intéressé dès les années 2014 à la question de définir des outils de sensibilisation qui permettent de comprendre effectivement la qualité et la fondation des paysages et des paysages habités qui construisent notre territoire. C'est ce qu'on a intitulé, nous, ce qu'on a appelé des carnets de territoire. Cette philosophie des carnets de territoire, aujourd'hui, on en a réalisé deux, un sur le Beaujolais, un sur le Mont du Lyonnais. Le prochain sera sur la métropole et le dernier sur les territoires de l'Ozon et de l'Est. Et derrière cette philosophie, il y a effectivement quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, qui est la place qu'on réserve au sol, mais à travers quelque chose qui est fondateur de notre démarche, qui est la question des paysages, en fait. Et donc, cette question de comment on aborde les paysages, qu'ils subissent, qu'ils soient habités pardon, ou naturels, qui subissent des transformations, pour nous, est un élément central de toute action. Donc, cette question de comment on agit sur les sols et comment on regarde les évolutions des paysages, elle part de deux points. Un point pour nous qui est ce regard qu'on doit porter de manière très objective sur la question de la création de nos territoires. Et les sols, du coup, ont une influence très importante par des questions de géologie, de géomorphologie. Et évidemment, cette vision, elle est assez objective parce qu'elle est aussi ensuite travaillée par l'homme et du coup transformée par l'homme. Donc ça compose finalement une première approche de cette question du paysage. Et puis après, dans les travaux que l'on mène, il y a aussi toute l'importance dans ce rapport à la transformation qu'on va devoir certainement attendre de nos paysages, qu'ils soient paysages naturels pour des questions environnementales, écologiques, paysages aussi habités, paysages urbains, pour les mêmes raisons et puis pour d'autres raisons liées à cette idée de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Il y a la subjectivité après du regard que l'on porte sur le paysage. Et ça, c'est un autre élément qui renvoie vraiment à cette capacité d'être observateur des espaces finalement que l'on voit devant nous se transformer. Et c'est vraiment ça pour nous aussi qui compose cette question de la construction d'une identité commune, ou en tous les cas d'un partage commun de cette question du paysage. Donc aujourd'hui, on a vu, ce sujet, il est extrêmement complexe. Il nécessite un accompagnement, finalement, quel que soit le champ disciplinaire, de proximité, et puis un accompagnement, évidemment, qui permette de comprendre la dimension systémique de ces enjeux, de ces croisements d'activités. Pour moi, ce qui me semble aussi extrêmement important à l'avenir, c'est cette idée, voilà, quand on porte cette question de la maîtrise de l'artificialisation, il y a certainement une notion qui va, à un moment donné, apparaître, c'est la diminution des capacités, effectivement, d'imaginaire, d'extension des territoires, mais plutôt cette idée que nos territoires vont effectivement être de plus en plus dans des espaces connus, circonscrits, finalement, qu'on peut effectivement, et les agences sont vraiment expertes là-dedans, qu'on commence à vraiment extrêmement bien connaître dans toutes leurs dimensions. Donc, on va devoir travailler avec un existant de plus en plus limité, et du coup, dans ces objectifs de recomposition des territoires. Donc, rester dans des espaces qui vont être beaucoup plus connus. J'espère que, enfin, en tous les cas, ce qu'on défend aussi dans notre démarche, c'est que ça reste des espaces vivants et non figés. Donc, ça veut dire qu'il y aura, dans ces questions de transformation des territoires, les questions de transfert parfois, de modifications acceptables d'un côté ou de l'autre et de regarder à quelle échelle tout cela devra avoir lieu. Et effectivement, cette façon d'agir, elle l'aura peut-être par rapport à des pratiques du passé qui étaient beaucoup plus libérales, ça a été dit précédemment. Ça renvoie aussi, par exemple, à des ouvrages qui sont anciens, mais qui sont toujours très pertinents. Par exemple, l'ouvrage de David Mangin sur la ville et les territoires franchisés. Donc, cette façon peut-être de développer librement les territoires, on va être dans une situation de contrainte beaucoup plus forte et dans laquelle va se poser aussi un autre enjeu pour nous qui est extrêmement important. C'est cette question du sentiment d'appartenance aussi à un territoire, dans la dimension culturelle, dans cette idée de l'observateur qui crée sa vision sur le paysage.
il y a aussi cette notion de s'attacher à son paysage, finalement, ou son paysage habité, et du coup, d'avoir une extrême vigilance sur la manière dont on va agir et les transformer. Donc ça, ça renverra aussi à la manière dont on va intervenir sur l'existant ou modifier certaines parties et de savoir avec quel modèle, finalement, on va pouvoir agir sur ces sujets. On comprend vos réserves, c'est-à-dire face à cette performance environnementale qui quand même va arriver de façon centrale. Ça veut dire que vous alertez. Et vous, c'est quoi alors? C'est un plaidoyer pour l'accompagnement des élus, pour contextualiser? Oui, Angèle, en fait, c'est la question, elle renvoie après à cette question qui a été évoquée aussi. L'ensemble des bouleversements auxquels on va être confronté va demander à ce que tous les acteurs en fait changent et évoluent. Et donc la question des modèles économiques ou des modes opératoires sur la manière dont on transforme la diversité de nos territoires va avoir une importance qui sera de plus en plus grande, puisqu'on va à la fois devoir respecter l'identité peut-être de ces territoires, savoir les compléter, les transformer, mais en même temps devoir agir aussi sur les conséquences de la crise sanitaire. Ça a été évoqué aussi, je crois, par Roland Verrage, donc sur cette question très importante de la notion de disponibilité d'espace, de cette capacité aujourd'hui à rendre résiliente un certain nombre de territoires, y compris l'habitat. On va devoir s'intéresser aussi à la modification de la façon de prendre en compte l'architecture, en fait, dans ces territoires, ou la façon des modes constructifs. On peut le prendre en compte sous l'angle de la question de la nature en ville, de la biodiversité, mais il va falloir aussi, et ça rejoint aussi la longue histoire de nos sols, peut-être le prendre en compte au titre aussi d'une architecture ou d'une construction plus circulaire, en fait, qui va revenir sur des tas d'enjeux, entre autres sur la question des matériaux biosourcés, géosourcés. Ça, c'est passionnant pour des architectes. Évidemment. Après, tout ça est l'avenir, probablement, même certainement. C'est vraiment vers ces sujets, effectivement, qu'on va devoir s'orienter. En revanche, ce qu'on peut noter aussi dans cette capacité à regarder l'évolution de nos territoires, c'est vraiment aussi cette recherche d'harmonie ou d'équilibre, en fait. C'est-à-dire regarder à quelle échelle cette question peut-être d'un rééquilibrage, d'une amélioration, en tous les cas, de la distribution des dynamiques va devoir se faire est un élément aussi central pour éviter aussi ce qui peut aujourd'hui apparaître dans notre espace, finalement, de la Mélise ou dans notre aire d'attraction, c'est des risques de très forte aussi disparité dans la façon de fabriquer ces territoires. Aujourd'hui, dans un rayon de 50 km, vous pouvez vous retrouver dans une situation, avoir des charges foncières issues de l'hyperpolarisation dans les centres métropolitains où on est des prix de charges foncières qui ont dépassé le prix de la construction, par exemple. C'était des phénomènes qui étaient très récents. Et puis, à 50 km de cet épicentre, finalement, vous vous retrouvez avec des territoires où on essaye de vendre des terrains à construire à 1 euro le mètre carré. Donc, voilà la distorsion aussi à laquelle on est confronté dans ces espaces. Et quand on revient à ce choix aussi culturel, ce choix de vouloir habiter par souci d'harmonie avec un territoire, il faudra aussi être extrêmement vigilant dans cette façon de contrôler ces transformations pour ne pas créer trop de systèmes captifs où les gens ne pourront plus peut-être avoir des parcours résidentiels et puis être obligés d'aller dans tel ou tel espace parce que les contraintes justement d'aménagement seront telles qu'il n'y aura plus de marge de manœuvre en fait qui seront données. Très bien, merci beaucoup Sébastien Sperto. Je vais revenir à vous. Je m'aperçois que dans l'affolement de la diffusion de la vidéo de Christelle Morel-Journel, je n'ai pas acté officiellement la pause du chat et des retours en information. Ce que je vous propose, c'est que nous continuions et que nous installions plus confortablement dans le dialogue à l'issue de la deuxième table ronde. Et voilà, ce qui permet de reprendre ses esprits pour les questions techniques qui sont pas moindres. Alors Sébastien, j'ai noté vos messages, vigilance, identité, patrimoine, repères et vraiment une approche en surface qui va mériter beaucoup d'accompagnement des élus. Alors je vais inviter Philippe Clergeau à nous rejoindre pour peut-être... Philippe Clergeau, vous êtes ici? Je suis là. Ah, super. Alors, je vais vous
vous pouvez rentrer dans le débat un petit peu plus vite, mais ça va permettre effectivement peut-être d'entrer plus spécifiquement dans la controverse. Merci beaucoup à vous d'être avec nous sur cette table qui est intitulée quand même de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est l'urbanisme écologique. Alors, si on part des trames vertes du réseau, on va dire que vous avez plutôt salué le fait qu'on avait pris conscience de la nécessité de protéger la biodiversité grâce à ces trames vertes, ces mises en réseau, et vous saluez les progrès accomplis. Mais en même temps, vous interrogez notre capacité à aller plus loin. C'est bien cela ? Oui, oui, tout à fait. Alors, avec cet objectif d'urbanisme écologique, on reviendra peut-être un peu sur le ZAN où il y a énormément de choses qui ont été dites, mais il y a aussi pas mal de points sur lesquels il y a discussion et je pourrais alimenter la controverse sans problème, je le pense. Alors pour répondre directement à votre question, on ne peut pas arriver sur les trames vertes et bleues comme ça. Je crois qu'il faut redonner juste quelques éléments de cadrage puisque j'ai cru comprendre que j'avais quelques minutes pour le faire. Voilà, la nature en ville, elle est absolument indispensable. On ne peut plus se contenter de faire du bâtiment, de l'artificialisation, pour reprendre notre terme, à tout craint, pour loger l'humain, sans prendre en compte un environnement, une ambiance, une nature en ville. Alors, je ne vais pas reprendre, ça a été très bien expliqué déjà par plusieurs intervenants précédents, cette nature en ville, elle nous rend des services, donc il faut absolument que nous végétalisions la ville. C'est une première chose. Il faut qu'il y ait des espaces suffisamment importants pour qu'on y vive aussi et qu'on ait un rapprochement avec cette nature. Donc ça, c'est la première étape et c'est parti. Je crois que tout le monde a compris l'importance de la nature pour lutter contre les îlots de chaleur, la perméabilisation des sols, la régulation des pollutions, etc. etc. Je ne redéveloppe pas, ça a déjà été abordé. C'est un sujet qu'on peut reprendre si on veut, mais qui a déjà été bien cité. Donc végétaliser la ville aujourd'hui est un élément fondamental. Et ça veut dire aussi préserver au maximum les espaces qui sont déjà végétalisés. Donc voilà, là je rentre aussi par une petite porte sur cette idée de densifier la ville qui est sous-jacent à cette notion de sobriété, bien évidemment. Alors, une fois qu'on a végétalisé la ville, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que font la plupart des services des espaces verts, des paysagistes, c'est de se baser sur quelques espèces exotiques, essentiellement, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait comment elles marchent, et on sait qu'elles sont très performantes. J'adore prendre l'exemple du platane, on met des platanes partout, parce que comme arbre dans la ville, on ne fait pas mieux. Voilà, grande feuille facile à ramasser, capture du particulaire, des racines qui ne sont pas embêtantes, etc., etc. Il y a plein d'avantages sur le platane. Mais c'est une monoculture et on rentre clairement dans une fragilité qui est liée à toute monoculture. C'est-à-dire qu'un accident climatique ou sanitaire, il y a deux maladies actuellement sur le platane qui commencent à faire leur preuve, vont amener à ces sacrés problèmes. L'orme a disparu du sud de la France dans les années 70, tout à fait de la même façon, alors qu'il était très présent dans les villes. Donc, cette fragilité de notre végétalisation m'interroge, moi, en tant qu'écologue, en tant que scientifique, en disant qu'il faut qu'on se rapproche beaucoup plus des fonctionnements écosystémiques. C'est une autre façon de parler de la relation, évidemment, à la nature, et qui est de dire, quand on parle de biodiversité, on va parler de diversité, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, mais aussi de relations entre ces espèces. Et l'idée forte... Vous, ce qui vous intéresse, Philippe Lerchaud, c'est ce qui se passe effectivement dessous et les connexions entre les arbres, j'ai bien compris. Non, pas obligatoirement, non. Ça, c'est la base. Le sol, dont on a très bien parlé, je ne vais pas reprendre, c'est la base. Et la végétation, c'est le deuxième élément. C'est ça qui fait sens. La biodiversité, c'est une diversité des espèces et les relations qu'elles ont entre elles. Quand on met des rosiers avec des pétunias, on n'a pas de relation a priori entre ces espèces-là. Voilà. Donc, le fait de viser à l'écosystème fait qu'on va viser aussi de la durabilité parce qu'on a des relations entre ces espèces-là. Et puis, des gestions beaucoup plus faciles. Alors voilà, je sors un peu du cadre strict peut-être de notre discussion qui est déjà excessivement complexe en rajoutant une couche sur l'écosystème. Et la notion d'urbanisme écologique, c'est non seulement prendre en compte tout ce qu'on a déjà dit sur le patrimoine, surtout sur l'habiter. Aujourd'hui, on n'habite pas la ville.
On n'habite pas bien la ville. Et tout le réseau viaire est à repenser. C'est que de la mobilité. Arrêtons ces approches complètement qui ont plus de 60 ans de la ville automobile, comme on a dit tout à l'heure. Il faut qu'on ait des réflexions différentes. Philippe Pergeot, pardonnez-moi. Vous dites la pleine terre, c'est l'urbanisme du 21e siècle. Oui. Mais ce n'est pas contradictoire à ce que je viens de dire. C'est parce que je parle de pleine terre, c'est en opposition à une volonté de beaucoup de collectivités de ne pas rechanger ou ne pas repenser aussi la façon de requalifier ou de reconstruire la ville sur la ville en disant on va juste végétaliser les bâtiments. C'est un plus, il n'y a pas de doute. On végétalise les bâtiments. Ce n'est pas pour autant qu'on va être dans la durabilité et qu'on va être sur un maximum de services. Et surtout, on n'a pas de durabilité de ces éléments-là. En toiture ou en mur, moi j'ai donc une équipe de recherche qui travaille sur ces sujets-là, hein, on a une fragilité qui est évidente. Et il ne faut absolument pas qu'on se réfugie derrière ça. Il faut qu'on garde l'idée de pleine terre comme un élément fondamental de l'urbanisme de demain. Voilà, c'était un petit peu ça le sens de ce propos, effectivement, qu'il faut pas sortir de son contexte. Voilà. Donc voilà, en résumé, cet urbanisme écologique, c'est un urbanisme qui prend en compte l'ensemble, mais ça a été très bien dit tout à l'heure hein, par Christelle Morel, Journel, oui, c'est ça. Elle en parle très bien. C'est une autre approche. Elle parle plutôt de biophilie. C'est un terme qui est connu maintenant. Elle parle de cette nécessité évidente de l'homme qui a besoin de la nature. Et quand les New-Yorkais ou les Parisiens quittent la ville au début du confinement, c'est pas pour rien. C'est parce que la ville ne leur permet pas d'être bien. Voilà. Et donc, cet urbanisme écologique doit prendre en compte fondamentalement ce que j'appelle le non-bâti, hein, parce que moi, la notion de vide, ça m'affole complètement, c'est le non-bâti qui doit être aussi important que le bâti. Et dans l'approche de la sobriété, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit aborder la construction de la ville en faisant attention à ce qu'on va conserver comme écosystème ou à faire évoluer comme écosystème et là où on va bâtir. Alors, comment on avance? Parce que vous doutez bien que les invités qui sont nombreux, qui vous écoutent, qui sont au cœur des collectivités, de ces problèmes, ces nouvelles trajectoires à faire prospérer, s'interrogent aussi comment on parle de ça, comment on se fait. Je crois que vous avez des propositions plutôt audacieuses de ce point de vue-là. Oui, alors, d'abord, je rejoins la plupart des intervenants précédents. La sobriété foncière est excessivement complexe, comme l'urbanisme l'est, puisqu'on a un ensemble de données. Je voudrais juste insister, puisqu'on avait commencé à parler des trams vertes et bleues, sur la notion d'échelle, hein, qui a été rappelée encore tout de suite par, je crois, c'est Fabrice Cravier qui en reparlait. Par contre, je ne suis pas d'accord avec lui. Le ZAN ne sera certainement pas à une échelle. C'est comme pour le SRCE, quoi. On peut avoir des approches régionales, que sont le SRCE, mais on a des déclinaisons qui seront obligatoirement locales. Donc il y a un travail à mener sur les échelles qui ne va pas de soi, qui n'est pas très simple. Alors, juste en quelques mots, pour être peut-être plus direct, la construction. Et clairement, alors ça sera l'occasion de mon prédécesseur, d'intervenant suivant, d'intervenir, la construction est clairement en cause. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il faut arrêter de construire, c'est surtout qu'il faut avoir une vraie réflexion sur où on construit, et puis qu'on réfléchisse à ce qu'est la ville aujourd'hui. Donc dans les solutions sur lesquelles aujourd'hui j'avance, arrêtons de penser obligatoirement à densifier la ville, donc supprimer toutes les dents creuses et les friches. C'est une mauvaise solution, je ne reviens pas, je crois qu'on l'a suffisamment cité déjà et abordé. Arrêtons aussi de penser tout en hauteur, en disant bah, comme ça on va libérer au sol. Le Bosco verticalé ou des choses comme ça que tout le monde connaît sont aussi des visions architecturales qui n'ont pas de sens ni économique ni écologique, hein, si on pousse un petit peu loin le sujet. En revanche, il y a un travail à mener, c'est sur l'utilisation ou la non-utilisation plutôt des locaux actuellement. Hein, quand on a des milliers de mètres carrés dans toutes les grandes villes qui sont totalement inoccupées. Et là, on a déjà une des clés au niveau logement, puisque effectivement, on a quand même besoin de. Donc, refaire la ville sur la ville, oui, mais pas avec une vision
d'architectes, j'allais dire, concepteurs et prenant l'espace comme un terrain de jeu. Alors, sur le deuxième propos des sols écologiques, je réagis au chat, tout à fait d'accord sur la diversification et relation des espèces, mais cela demande des formations expertes, des élus localement, nous dit Madame ou Monsieur Nil. Alors oui, tout à fait. D'où une de mes propositions, on en avait déjà un petit peu parlé. Il faut que progressivement, mais on va y arriver parce que ça, c'est déjà le début, que tous les appels d'offres qui sont faits pour construire, et Dieu sait s'il y en a, soient capables aussi à partir d'une certaine surface, pas quand on construit juste un immeuble, mais dès qu'on est sur des actes notamment, systématiquement, qu'on aille aussi, comme on fait aujourd'hui, c'est d'aller chercher des paysagistes, d'aller chercher aussi des écologues et des géographes qui, eux, ont une approche du fonctionnement. Je reviens sur mon terme de fonctionnement. On ne peut plus faire les tables rases qu'on faisait dans les années 70, c'est-à-dire on nettoie tout et on met notre petite parcelle avec la maison au milieu et puis chacun, s'il y a un cahier des charges, voilà, on mettra une haie. Cette façon de faire l'urbanisme ne peut plus exister et doit absolument être revue pour pouvoir intégrer donc des écologues aussi dans la plupart. Alors, on n'est pas très nombreux à faire du projet, ça je le reconnais, parce que c'est une compétence qui ne va pas de soi, mais oui. il y a quand même pas mal d'écologues qui sont capables d'apporter autre chose que simplement un regard sur des petites plantes ou des petites… Oui, alors déjà, je le vois dans le chat, on a envie d'avoir des écologues dans chaque collectivité, donc merci à Bertie Joly de le signaler. Et en même temps, du côté de la SERL, Vincent Malfaire, directeur, nous dit… attention, les locaux qui sont inoccupés ne répondent plus à des attentes des ménages. Donc, il s'inscrit un peu dans le propos de Fabrice Gravier. Il y a peut-être le temps de cette transformation. Moi, je voudrais revenir spécifiquement sur votre proposition du sol et de la formation au sein des collectivités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, du côté des DGS, j'ai compris que vous me disiez, il faut faire prospérer ces sujets pour mieux les approcher localement? Alors, si on pousse le bouchon un peu loin, oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça a été dit, hein, on souffre complètement d'un fonctionnement en silo. Tous ces services sont complètement en silo. Pourquoi? Alors, je mets les pieds dans le plat, je vais faire… Allons-y. Pourquoi? Parce que le DGS, qui a déjà des charges énormes, donne le même argent tous les ans à chacun des services pour qu'ils tournent. C'est une vision très, très classique de chaque service fonctionne d'une certaine façon. Et alors, je dis ça parce que j'ai vécu ça, hein, notamment sur plein de communes où j'ai travaillé sur des plans de trame verte, où la première chose a été de dire « mais on n'y connaît rien, il faudrait qu'on travaille avec des écologues ». Je dis « mais vous avez presque tous des écologues dans vos services des espaces verts ». Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écologues dans les directions d'urbanisme? Donc déjà, première chose. Et puis, ça coûte un peu cher, parce que là, vous nous dites d'ouvrir tel boulevard pour faire des fosses, des noues. Je dis, mais attendez, pourquoi est-ce que pendant 2 ans, vous ne pourriez pas mettre beaucoup plus d'argent sur l'urbanisme ou sur les espaces de voirie, par exemple? Et puis… avoir donc du coup, pas obligatoirement cette égalité qui fait sens aujourd'hui, qui existe dans la plupart des collectivités, pour pouvoir faire des promotions. Et moi, j'ai vécu dans une toute petite ville de Bretagne, où le maire, brusquement, met tout sur le sport. Donc, il a fait un super stade. Ça a coûté 2 ans à la plupart des services, mais il a fait son stade. Et exactement dans la même démarche, on pourrait imaginer des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une façon aussi de repenser un petit peu. Alors, pour ça, j'ai un peu critiqué les DGS, mais c'était un peu facile en leur disant… On les apprécie énormément et que c'est plus… Mais c'est parce qu'ils ont un boulot complètement central dans la construction et dans la vie de la ville, et qu'évidemment, ils ont du mal à se former, c'est ce qu'ils me disent quand je débat avec eux, quoi, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réunions et de possibles, tellement ils sont submergés de travail. Donc voilà, c'était une approche un peu en disant qu'il y a aussi des réflexions à mener sur la conduite et les gouvernances qu'on peut amener pour pouvoir, après, alors l'exemple que je prends aussi, c'est celui de Barcelone. Maintenant, je sais qu'il y a quelques villes en France qui le font, c'est-à-dire un super service. Hein, à Barcelone, ils ont créé un service où il y a en même temps l'urbanisme, la mobilité et l'écologie. D'accord. Donc, il n'y a aucune décision qui est prise au point de vue urbanisme sans que les trois soient, les éléments soient discutés et échangés.
Très bien. Et juste, dernier propos avant de passer la parole à Aymeric Fabry, c'est que vous appelez aussi à vigilance sur le travail des promoteurs qui nous attendent dans la table ronde 3. Et vous dites que c'est sans doute un des leviers les plus compliqués. Alors oui, c'est un petit peu compliqué parce que donc moi, je travaille avec des architectes, je suis consultant donc aussi en urbanisme écologique, plutôt en écologie urbaine. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver avec des projets et de se retrouver avec des projets. C'est ce qui m'est arrivé hein, avec l'architecte, de se retrouver en face de promoteurs qui voulaient absolument pas conserver des arbres ou autre chose parce qu'il fallait tant de mètres carrés de parking. Et donc, du coup, on a supprimé plein d'ambiance. Alors, c'est un peu caricatural ce que je viens de dire, évidemment. Et là, je travaille avec le CVA, le Club Ville d'Aménagement, donc où il y a beaucoup de promoteurs. Et je vois une vraie prise de conscience quand même hein, sur cette sobriété foncière et sur la façon de pouvoir intervenir sur le ZAN. Alors, évidemment, quand je parle de il faut absolument éviter une surdensification urbaine. Là, je fais crier tout le monde. Mais par exemple, les artificialisations autour des villages, puisque c'est un des sujets qui a bien été abordé tout à l'heure, oui. C'est un élément aussi important de quelle structuration pour ce périurbain, qui pour l'instant est peu structuré. Et un des éléments que je promeus souvent, qui est connu à Rennes, à Perpignan, c'est la ville archipel. C'est-à-dire arrêtons aussi d'avoir ces villes, alors Nantes, Bordeaux, Toulouse surtout, voilà, qui s'étendent sans frein, alors qu'on devrait peut-être avoir des super réseaux de mobilité qui permettent de garder ce qu'on appelait des ceintures vertes, qui permettent de garder donc de l'agriculture et des zones plus naturelles. Mais merci pour ces propositions qui ont effectivement attiré toute l'attention et l'intérêt de nos invités. Je vais vous quitter pour rejoindre Aymeric Fabry qui va réagir bien sûr à l'ensemble des propos et puis à positionner le sien. Aymeric Fabry, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, alors, tout à fait. J'ai écouté avec attention. J'ai écouté voilà. Avec attention les interventions précédentes qui ont fait en quelque sorte un peu l'apologie du vide et de la nature en ville et un peu comme j'ai pu l'être sur la première table ronde, je vais être un peu poil à gratter. Allez, on y va. Voilà, parce que je pense qu'il faut lancer les débats et c'est dans la controverse qu'on va trouver des idées. Absolument. Je vais être un peu poil à gratter parce que j'accède à l'idée, dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faille rendre le cadre urbain désirable, les villes désirables, et qu'on a peut-être vécu un peu à crédit d'espace vert, entre guillemets, sur ces dernières années au profit du développement un peu dévergondé des projets immobiliers. On n'a peut-être pas tout fait pour que les logements que nous construisions bénéficient d'un cadre de vie agréable avec de la nature, du contact naturel, de la résilience climatique avec des îlots permettant de lutter contre la chaleur, permettant de gérer les risques d'inondation, etc. Donc, nous sommes peut-être arrivés dans certains territoires aux limites de la densification acceptable par le comportement humain normal, lambda. Et j'accepte donc à l'idée que ces territoires, et en particulier je vise la métropole de Lyon, qui a une tonicité remarquable ces dernières années, j'admets l'idée qu'il faille remettre de l'espace vert, du vide, dans ces territoires qui peut-être en manquent dorénavant. En revanche, je pose la question à l'ensemble de l'auditoire. Si nous faisons du vide là où on est censé accueillir les habitants. J'ai entendu tout à l'heure dans la présentation qu'on s'apprête à accueillir entre 400 et 500 000 habitants, je crois que c'est ça, sur l'aire en question. Comment fait-on pour les accueillir si nous faisons du vide là où ils devraient loger ? Ben, il va y avoir une question de report résidentiel, encore une fois, à des territoires qui ne sont peut-être pas outillés pour assurer la bonne utilisation des sols à leur plein potentiel. Alors, j'aimerais développer, de ce point de vue, une deuxième idée. Et là, je réagis aussi à la vidéo de tout à l'heure, hein, qui mettait en avant un changement de paradigme, ou plus ou moins un changement de culture, face aux défis qui sont devant nous, et entre guillemets, sortir un peu du système économique autour du foncier qui devient un bien commun. Moi, je le traduis un peu comme ça, pour introduire une idée qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, mais qui me semble fondamentale et qui renvoie aussi aux problématiques d'échelle que nous avons pu évoquer précédemment. Les gisements fonciers ne sont pas là où on en a besoin. C'est ça, en fait,
une des difficultés que nous avons dans l'ère stéphano-lyonnaise, nous n'avons pas une crise de rareté du foncier de partout. C'est faux. Nous avons du foncier dans des polarités urbaines importantes. Nous avons du creux, nous avons du vide. Alors, du vide bâti, mais fonctionnellement, qui existe, qu'on peut se réapproprier. Le problème, c'est que nous ne nous le réapproprions pas, parce que le marché ne s'y positionne pas, parce que le comportement du citoyen conduit à refuser d'y vivre. Donc, on sent bien cette question de la sobriété foncière est peut-être une question de desserrement métropolitain, plus qu'une question de reprise et de revitalisation des villes autour de Lyon. Alors, la question va être la suivante. Si nous arrêtons, alors si nous faisons du vert dans les secteurs tendus, si bornons la partie urbanisée, ben, je veux dire, le principe de Lavoisier que tout le monde connaît va demeurer. Hein, rien ne se perd, tout se transforme. Hein, donc là où nous allons faire du vide pour rendre le cadre urbain favorable, où est-ce que ce vide va se transformer en plein ailleurs pour accueillir la nouvelle population qu'on évoquait tout à l'heure? Eh bien, a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'elle aille naturellement là où les fonciers sont disponibles, où nous avons des friches. Hein. Autrement, nous aurions connu des redressements beaucoup plus spectaculaires, des polarités qui font l'objet des opérations de revitalisation aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le marché ne s'y positionne pas. Nous avons ensuite les promoteurs qui interviendront. Je les vois défiler régulièrement pour m'expliquer que leur aire d'intervention, c'est, on va dire, la métropole de Lyon et la première couronne autour. Et qu'au-delà, ils ne prennent pas le risque, parce que tout simplement, homo economicus, il n'y aura pas d'habitants pour venir acheter le logement. Ce qui renvoie, entre guillemets, à cette question d'échelle, et c'est le dernier point que je voudrais développer, je pense que la sobriété foncière passera naturellement par le regain d'attractivité des centres urbains, ce regain passera naturellement par l'intégration de plus de verre, de plus de nature, de meilleures constructions, plus résiliente, plus écologique, mieux biosourcée. Tout ça, j'adhère complètement à cette idée-là pour faire du cadre urbain un cadre attractif. Parce que c'est comme ça que nous arrêterons la motrice de l'étalement urbain. C'est le premier temps. Mais nous n'y arriverons pas instantanément et les reports résidentiels se feront. Il est donc urgentissime d'aider ces territoires qui disposent des gisements à l'échelle d'Amélise, ces territoires où nous avons des friches, où nous avons du creux fonctionnel, à se transformer le plus rapidement possible, de sorte à ce qu'il puisse être une alternative au périurbain pour accueillir cette population qui ne pourra pas se loger, objectivement, quantitativement, dans les métropoles les plus dynamiques. Oui, les invités répondent au chat. Vincent Malfer, donc souscrit à votre propos. Évidemment, se pose la question de l'inquiétude sur le logement, la limite du logement en centre-ville. Donc voilà, on tourne autour de ça. Mais question, Émeric Fabrice, dans le fond, si vous recyclez, il y a un potentiel quand même qui est important. Est-ce que, en termes de proportion, ça représente quoi? Alors, je pense que l'agence me contredira ou pas, mais il me semble qu'en aura, l'étalement urbain, c'est quelque chose comme 200 hectares par an. C'est à peu près ça. Hein. Les agences d'urbanisme me contrediront si je me trompe d'échelle. Il faut vous représenter qu'un établissement comme le nôtre, c'est 30 à 40 hectares recyclés par an. Donc, vous voyez que, et pourtant, nous sommes un acteur majeur du recyclage foncier en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Nous intervenons sur des friches industrielles lourdes. Nous mobilisons essentiellement dans la partie urbanisée pour recréer du logement ou du foncier d'accueil d'entreprise. Malgré tout, vous voyez que le rythme est significatif, mais peut-être pas aussi significatif qu'il le devrait compte tenu des enjeux d'étalement. Donc, il faut aussi avoir en tête que les friches, dans le sens traditionnel auquel on les entend, ne sont pas forcément aussi nombreuses qu'on le croit. Et en tout état de cause, elles ne se situent pas là où elles pourraient être utiles pour accueillir les usages humains, entre guillemets, pas toutes en tout cas. Et donc, il serait faux de penser qu'elles soient l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'étalement urbain et de la sobriété foncière. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul élément. Il va falloir réfléchir comment reconstruire la ville sur la ville, parfois aller sur des secteurs fonctionnels,
D'ailleurs, nous le faisons parfois, hein, des secteurs où il y a de l'activité humaine, hein, on y habite, on y travaille, mais peut-être pas suffisamment pour intensifier ces usages humains dans les secteurs déjà urbanisés. Et ça, c'est une évolution qu'on voit notamment poindre dans le domaine économique, notamment lorsque nous parlons de reconquérir des zones d'activité qui ont été développées dans les années 80, avec probablement une logique de sobriété foncière absente et peut-être une tendance à s'étaler un peu, où maintenant, nous constatons qu'il y a des potentiels en fait, à aller rechercher dans ces zones-là pour les recycler, les renouveler. On peut avoir aussi ce type d'approche dans les secteurs pavillonnaires périphériques à la métropole lyonnaise, qui sont des territoires de report résidentiel importants. Je pense que si nous devions regarder un petit peu globalement comment ces territoires-là se sont comportés ces dernières années en matière d'accueil de nouvelles populations, nous pourrions constater des facteurs de croissance importants. Les prix ont beaucoup évolué dans ces secteurs. Et quel est le processus qui est à l'œuvre là-bas? Ce sont des tissus pavillonnaires qui se transforment tissu urbain un peu plus constitué, avec des hauteurs un peu plus importantes, des densités un peu plus importantes. Mais attention, gare, parce que cette transformation produit le fameux malthusianisme dont je parlais tout à l'heure, de l'entre-soi qui peut complètement bloquer la machine de production du logement. Alors, vos réactions, cette table ronde 2 fait apparaître beaucoup de commentaires dans le chat. Jérémy Tourtier qui pose la question du rééquilibrage, aussi des activités économiques. On voit cette demande aussi de logement individuel qui est très majoritaire et qui interroge. Je les prends très rapidement. Effectivement, je vais peut-être demander à Philippe Clergeot et Sébastien Sperto, puisqu'il nous reste encore quelques minutes de lien avec le chat. La densification du tissu pavillonnaire, Sébastien. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être pas bien cool parce qu'on sait que la génération de nos parents, de nos oncles vont peut-être, quand elle va disparaître, il y a des possibilités d'innovation, de rénovation du bâti dans ces zones pavillonnaires. Comment vois-tu les choses ? La question du pavillonnaire, c'est une question extrêmement sensible, en fait. Je pense qu'il ne faut absolument pas l'aborder au prime abord comme un espace de réservoir comme ça, qui serait d'un seul coup à la disponibilité de tous pour résoudre de façon plus ou moins magique cette question de l'intensification des territoires. Donc, je pense qu'effectivement, l'organisation de la ville aujourd'hui, et surtout la particularité de la Mélise et de notre territoire, elle doit être vue à la bonne échelle, en fait. On a vraiment un enjeu, c'est aujourd'hui de savoir à quelle échelle on doit essayer de trouver des réponses sur l'observation de cette maîtrise de l'artificialisation. Et est-ce qu'on voit, avant de revenir sur le pavillonnaire, mais ce qu'on voit, je voulais souligner ça, on voit quand même depuis quelques années, finalement, une redistribution, on parle de desserrement parfois, mais en tous les cas, depuis 5-6 ans, on voit qu'il y a quand même une amélioration de la dynamique d'un certain nombre de territoires, et en particulier des villes intermédiaires et des villes moyennes qui sont connectées au système de réseau de transport principal, dont le réseau ferroviaire. Et donc ça, c'est quelque chose, lorsque je suis arrivé il y a 10 ans à l'agence d'urbanisme, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Donc on peut déjà peut-être avoir un espoir au moins sur cette redéfinition d'une armature urbaine métropolitaine au sens de la Mélise et même plus largement, qui commence en fait à prendre corps, voilà, avec une volonté aussi d'améliorer les conditions de transformation et de fabrication de cette ville. Après, sur la question effectivement du pavillonnaire, ça renvoie aussi à cette prise en compte de toutes les échelles et de toutes les typologies, en fait. Il faut presque imaginer un abécédaire finalement de notre territoire. Si je mets en perspective la question du ZAN, il faut cette très bonne connaissance des ressources de notre territoire, c'est ce que je disais en introduction. Il faut vraiment connaître ce champ culturel qui fait qu'on habite tel endroit, on vit dans telle rue et on regarde ce paysage parce qu'on y est attaché. Et donc cet abécédaire de la typologie des espaces qui composent notre territoire, il est essentiel à mon avis pour mettre à l'ouvrage le ZAN. C'est qu'à cette condition qu'on pourra regarder, et là je reviens sur cette idée aussi complexe de passer de quelque chose qu'on croit figé, mais je pense que moi ce n'est pas la solution, mais qu'au contraire le système doit rester vivant, et du coup dans cette typologie qui va pouvoir être observée,
qui touchera tous les espaces habités, c'est-à-dire les systèmes centraux, périurbains, les bourgs, les villages, les hameaux. Il faudra regarder tous ces éléments-là. Eh bien, chacun devra peut-être garder évidemment des marges de transformation avec cette idée aussi. Alors, je reviens que l'habitat individuel, effectivement, ne soit plus peut-être l'élément unique finalement de transformation, mais qu'on trouve des solutions intermédiaires qui s'intégreront aux questions d'enjeux de patrimoine à la fois urbain et paysager. Alors, je fais le lien parce que Christelle Morel-Journel souscrit à tes propos sur l'abécédaire et je vois Benoît Schmalz qui la représente et qui nous signale quand même qu'en Allemagne, on commence à interdire des pavillons neufs. Donc, on voit que le sujet se met en tension de manière assez forte. Et je vois aussi Arnaud Germe de la région réagir. L'enjeu majeur est de travailler à l'acceptabilité des densifications par une vraie pédagogie, et on y revient, l'accompagnement des élus, ne pas les laisser seuls avec ces gros sujets. Il faut préparer en amont des projets et non consulter. Les faubourgs... Et ça, Angèle, il faut juste rajouter une chose. Peut-être que les choses s'accélèrent, hein, tant mieux. On voit des tas de signes très positifs, mais il y a la question du temps, il y a la question du temps long derrière aussi, et de l'acceptabilité, en fait, de ces imaginaires que on accepte depuis des années ou qu'on souhaite depuis des années. Et effectivement, sur les modes d'habiter, au-delà de la résilience que vont devoir avoir les territoires suite aux crises sanitaires, peut-être qu'on est en train de vivre les crises environnementales, il va falloir aussi, sur ces questions d'intensification, aller chercher l'acceptabilité des populations, oui, des habitants. Benoît Provillard, à l'instant, ce freinage avec ce travail sur l'acceptabilité des modes de vie, si je comprends bien, il va falloir tenir tous les bouts. Je vais bientôt conclure cette deuxième table ronde. Philippe Clergeau, je ne vous ai pas repassé la parole sur les réactions du chat, mais on voit quand même du côté de Loire-Forêt, il y a beaucoup de réactions sur cette histoire de zones pavillonnaires, intermédiaires. On sent que les collègues dans les collectivités sont sous pression. Le sol écologique, l'urbanisme écologique, il va falloir bien monter en puissance là, pour aider nos collègues. Oui, oui, ben, il y a des recherches qui sont lancées. Là, juste, je veux faire référence à un programme BOOM du ministère de l'Environnement, là où je suis que je dirige scientifiquement, et on essaye de voir quelles sont les formes urbaines qui seraient les plus favorables justement à l'installation des biodiversités. Parce que ce qu'on a montré, nous, scientifiquement, c'est que les zones pavillonnaires ont une certaine perméabilité puisqu'il y a beaucoup de jardins. Et plus ces jardins sont vieux, plus on a des haies, plus on a de... Alors, au point de vue écologique... À une certaine échelle, c'est pas inintéressant. Seulement, on voit bien aussi qu'on est sur de l'étalement urbain et qui repose des questions qui ont été soulevées. Je reprends pas tout ce qui vient d'être dit et que je suis entièrement d'accord. Par contre, juste en complément, je dirais. Je reste persuadé qu'il y a des jeux d'échelle et qu'il ne faut pas dire le ZAN n'intervient qu'à une seule échelle. Je pense qu'il y a un travail à mener au niveau national sur la réglementation notamment, hein, voilà, ça c'est clair. Il y a des niveaux de régions, de pays, voire de SCOT ou au moins de métropoles qui sont clairement de la planification. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise ces choses-là. Et puis après, comment chaque maire va pouvoir décliner des coefficients de biotope, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une prise en compte globale, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil que pour les trames vertes et bleues, il y a des grands projets nationaux ou régionaux, mais ça, les déclinaisons sur les documents d'urbanisme avec des surcouches, des jeux de zonage ou autre chose, c'est encore un autre mécanisme de prise en compte. Très bien, alors vous restez bien avec nous s'il vous plaît, merci d'avoir porté en tension le sujet dans cette deuxième table ronde, et je suis pile dans le chrono, je ne suis pas mécontente de ce point de vue-là. Je vais lire la dernière question de Benoît Schmalz qui dit « L'imperméabilisation compte juste le projet ou tout ce qu'il implique. Autrement dit, y a-t-il une sorte de comptabilité d'utilisation comparable au scope 3 ou compte à carbone ?» Le pavillon qui demande des routes et autres éléments où coule beaucoup d'espace. Alors bon, on va arrêter là, on ne va pas être à charge forcément de la question pavillonnaire, mais on voit qu'elle est… qu'elle est très importante. Je vais commencer la troisième table ronde.
Eh bien voilà, la douce musique du Zan. Vous aurez noté qu'on a mis une guitare assez sobre et aussi des éléments qui participent de cette appréciation plus modérée dans la façon d'arrêter d'être en extension. Alors je vais poser la question à Jean-Luc Achard et Yann Le Corfec, président régional du Pôle Habitat, et pour Yann Le Corfec, délégué national de l'aménagement et du foncier à la Fédé française du bâtiment. Alors, tous les deux, je ne sais pas, je ne vois pas Yann Le Corfec, mais on va commencer par Jean-Luc Achard. On est d'accord, ce sujet de la sobriété foncière, à ce stade-là, vous nous avez plutôt dit que vous étiez partant, monsieur Achard, mais en fait, cette limitation des ressources vous interroge tout de même. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et déjà, merci d'avoir organisé cette visioconférence. C'est fort intéressante, fort instructive. J'ai bien écouté tout ce qui a été dit et je trouve que c'est difficile de vouloir se lancer sur des grandes théories et de prévoir l'avenir quand déjà au départ on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'artificialisation des sols du ZAN. J'ai même entendu que c'était une notion qui était très floue et on envisage de mettre en place des politiques sur quelque chose qui déjà à la base on ne maîtrise pas bien. Je trouve ça un petit peu dommage. Je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, rebondir sur certains échanges qui ont eu lieu. Il ne faut pas non plus qu'on soit trop anxiogène. J'ai entendu tout à l'heure parler d'une consommation sur 10 ans de 14 000 terrains de foot. Bon, très bien, mais c'est extrêmement anxiogène. Et d'un autre côté, il y a un chercheur géographe, Eric Charme, que je suppose vous devez connaître, il est chercheur à l'Université de Lyon, lui d'ailleurs, qui émet un certain nombre d'hypothèses. Il dit que dans les hypothèses les plus défavorables, en supposant que tous les ménages français s'installent dans une maison, ce qui est pas possible parce qu'on a tous un parcours résidentiel et on va être en appartement, on ira peut-être dans une petite maison, une plus grande, et obligatoirement, à un moment donné, quand on sera plus vieux, on retournera sûrement dans un appartement en ville. Imaginons que l'ensemble des Français s'installent dans une maison sur un terrain de 1000 m2. J'ai entendu parler tout à l'heure aussi de terrain, une maison sur un terrain de 1000 m2, mais je suis désolé, ça fait des décennies que ça n'existe plus. Aujourd'hui, les surfaces ont fortement baissé et on est plus, quand on est proche des grandes agglomérations sur des terrains de 300 m2, que 1000 m2. Et au maximum, on va être sur des terrains autour de 600-800 m2. C'est fini les 1000 m2 parce que ça ne correspond plus à l'attente de nos clients. Eh bien, malgré tout, imaginons cela, nous aurions encore 85% du territoire qui ne serait pas artificialisé. Alors, c'est compliqué d'échanger parce qu'on ne sait pas qui croire. Moi, je remets en doute la parole de personne, mais d'un autre côté, on nous explique qu'on consomme beaucoup de terrain. D'un autre côté, on nous dit que malgré tout, si tout le monde avait une maison, ce qui est parfaitement faux, on aurait encore 85% du territoire qui serait artificialisé. Et je ne voudrais pas que cette discussion, et qui est extrêmement importante, et ces grandes orientations qui vont découler de l'avenir de nos concitoyens, là aussi, encore une fois, je suis surpris que depuis le début, alors j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il allait être un petit peu le poil à gratter de cette visioconférence, moi je vais l'être un petit peu aussi, à aujourd'hui, si vous voulez, je n'ai pas entendu quelqu'un parler du souhait de nos concitoyens. Alors, est-ce à dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de savoir ce qui serait bien ? Gravier a un peu évoqué la question du modèle désirable. Mais est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de savoir ce qui est bien pour eux ? Moi, je ne le pense pas. Et aujourd'hui, il faut juste savoir que aussi bien les promoteurs que les aménageurs que les constructeurs, on est vertueux parce que les maisons ou les bâtiments consomment de moins en moins d'énergie, les surfaces sont plus petites, on n'est pas complètement idiot. Et bien sûr qu'en plus, on a la vocation, c'est économique, de s'adapter à l'attente de nos concitoyens. Nos concitoyens ont ce besoin vital de se loger. On sait qu'en France, de toute façon, il y a un vrai problème de logement et qu'il manque cruellement de logement, mais ils n'ont plus du tout envie d'avoir un terrain de 1000 m2, 1500 m2 comme dans les années 60 ou 70. C'est fini pour eux, ils veulent profiter de la vie, ils ont besoin principalement d'un logement qui soit correct, alors collectif, appartement ou maison,
Et ce qu'ils veulent aussi, surtout, par exemple, quand ils vont construire une maison, ils ne veulent pas bétonner, goudronner, ça ne les intéresse pas. Justement, ce qu'ils recherchent, c'est la nature, la verdure. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, là, vous nous engueulez un petit peu quand même en disant que tout ça, c'est quand même des aspirations nouvelles. Non, je pose des questions. Moi, je ne sais pas. Moi, j'entends que quand on va… bon, d'abord, je suis contre, on est contre le terme de « consommer du terrain ». Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre une pomme, je vais la manger, je vais la consommer. Voilà, la pomme, elle disparaît. Bon. Quand on construit un immeuble sur un terrain ou une maison sur un terrain, on va utiliser le terrain. Et j'en veux pour preuve que dans la réglementation environnementale qui va être applicable au 1er janvier 2022, on doit être capable d'analyser le cycle de vie du logement sur 50 ans. Ça veut bien dire qu'après, peut-être que ce terrain, la maison va être rasée, le bâtiment va être rasé, et on va reconstruire, pourquoi pas la ville sur la ville. Et en fait, le terrain, je suis désolé, il est toujours là, il ne disparaît pas. On ne consomme pas du terrain. Encore une fois, c'est des termes qui ont vocation à être anxiogènes et à faire peur à tout le monde. Le terrain, il est toujours là. On sera plus là, nous, que le terrain sera là. Et heureusement. Alors, OK, on a compris vos recommandations. Ça veut dire qu'il faut qu'on se trouve des éléments de langage pour bien parler des réalités, de l'ancrage dans le réel. Alors aujourd'hui, si vous voulez, ce débat, il est intéressant, mais il ne faut pas qu'il devienne anxiogène en disant… et j'ai entendu tout à l'heure que les vilains petits canards, c'était les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs, parce qu'on allait détruire en gros la planète, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, les maisons ou les collectifs, les immeubles, la consommation a été divisée par 4 par rapport aux années 60-70. On est complètement vertueux dans ce qu'on fabrique. Et c'est normal, parce que c'est une attente de nos clients. À aujourd'hui, si vous voulez, on se rend compte aussi que j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire que, en fait, nos concitoyens s'éloignaient de la ville, mais ils s'éloignent de la ville aussi, des fois, contraints et forcés. Quand on prend l'agglomération lyonnaise et qu'on échange avec les promoteurs, à aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de sortir un permis de construire. Il n'y a quasiment plus de stock d'appartements à la vente. Donc, qu'est-ce que font nos concitoyens? À partir du moment où l'activité économique, elle est dans les grandes agglomérations, malheureusement, eh ben, quand ils n'ont pas la capacité de se loger, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'éloigner. Et après, on va expliquer que ce n'est pas bien de s'éloigner parce que les gens, ils vont devoir prendre leur voiture pour revenir en ville. Et oui, mais ils n'ont pas obligatoirement envie de s'éloigner, simplement, ils sont contraints et forcés. Et quand j'entends aussi parler de réhabilitation, de dents creuses, de rénovation de bâtiments, d'utilisation de friches, c'est très bien. Mais sauf que quand vous réhabilitez un appartement, bah vous faites toujours un appartement qui sera mille fois mieux que ce qui était avant. Mais ça ne correspond pas forcément à des attentes. Et après, autre point aussi extrêmement important, c'est le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de la réhabilitation, de la rénovation, quand vous allez utiliser des friches industrielles pour construire quelque chose, qui peut se le payer? Pas les primo-accédants qui ont besoin de logement. Ce n'est pas possible pour eux. Et aujourd'hui, on sait aussi très bien qu'il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, dans les collectifs, on est plutôt sur des types F2, F3. Et si vous avez des gens qui, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour eux, qui ont des familles nombreuses, il ne reste plus que la maison pour les loger. Et aujourd'hui, la maison est vraiment réservée aux masses populaires parce que c'est là où on a le prix le plus faible au mètre carré. Et alors, les primo-accédants, aujourd'hui, même chez nous en Auvergne, ils n'ont pas la capacité d'aller se loger à Clermont-Ferrand dans un collectif parce que ça devient hors de prix. Alors, on est bien d'accord et je crois que dans le fond, on parle un peu le même langage, peut-être avec des mots différents, mais et je finirai là-dessus avec vous, Jean-Luc Lachard, mais est-ce qu'on ne peut pas, ensemble, au titre de ce webinaire, engager l'aire métropolitaine dans une trajectoire de sobriété foncière, trouver tous ensemble
tout le réseau des protagonistes pour un peu changer de logiciel dans la Mélise, se challenger, dire que dans le fond, aujourd'hui, il y a peut-être des possibilités d'innovation, d'apaisement collectif et peut-être de pas de côté pour tout ce temps qu'on est pour aller trouver des horizons intéressants. Est-ce que ça, ça vous intéresse en tant que Fédé parce que j'ai bien compris que c'était difficile du côté de la Fédé des EPL de prendre des positions parce qu'on avance en marchant. Mais est-ce que ça vous intéresse, cette aventure de travailler ensemble sur ces sujets? Mais bien sûr que ça nous intéresse parce que ça va dans le sens de l'histoire. On n'est pas là pour bétonner la France entière. On est là pour créer un espace de vie qui soit agréable pour tout un chacun. On n'est pas là non plus pour mettre en compétition, entre guillemets, les grandes métropoles et les zones rurales. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit justement adapté à la nature de la diversité française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas avoir la même gestion dans la métropole lyonnaise qu'au fin fond du Cantal. Et à aujourd'hui, on mettrait en place des règles qui vont être identiques pour tout le monde. Et ça, c'est juste pas possible parce qu'on va créer, encore une fois, des fractures territoriales qui vont être massives. En tout cas, on vous réinvitera, je vois Arnaud Germe de la région réagir sur est-ce qu'il y a des travaux prospectifs du côté de la Fédé du bâtiment qui permettent aussi ces inflexions de regard et ces transitions. Voilà, on est ouvert, bien sûr, à construire ensemble avec ce matériau. Et je réagis aussi au propos de Benoît Schmalz qui dit il faut accompagner les promoteurs vers des modèles à moindre valeur ajoutée, sans doute aussi. Donc, beaucoup de pédagogie. Et enfin, Laurent Drillon, oui, il faudrait repenser la fiscalité en la matière plus favorable actuellement au lotissement et aux maisons individuelles. Voilà, vos propos ont fait beaucoup réagir. On va pas, et Vincent Malfaire pour terminer, on a une belle illustration du clivage que porte en lui le ZAN s'il est imposé uniquement par voie réglementaire. Je trouve que c'est des très belles sollicitations d'interaction avec les participants. Je vais aller vers Yann Le Corfec. À tout de suite, monsieur Jean-Luc Lachat. Yann Le Corfec, vous m'écoutez? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bien sûr que je vous entends et vous allez vous faire entendre encore. On va peut-être profiter. Alors, je m'interroge à l'instant T sur le fait de diffuser à nouveau une vidéo vu les problèmes techniques rencontrés. Donc, je vais vous offrir un droit de parole aussi, peut-être plus coquet que je ne l'imaginais. Vous, alors, vous êtes très aguerri, très averti sur ces sujets. Vous participez à des groupes de travail, des commissions. Si on reste dans ce dialogue constructif et la façon dont on prend tout ça et le fait de devoir un peu être plus sobre, comment vous amenez vos pierres à l'édifice? Alors, par le dialogue, et le dialogue entre toutes les parties, que ce soit l'État, que ce soit les associations de collectivités territoriales à l'échelle nationale, l'ensemble des opérateurs dans toute leur diversité, qu'ils soient des opérateurs publics ou des opérateurs privés. Et on a essayé pendant un an et demi de trouver des points de consensus. Et c'est un peu ma casquette de juriste que je vais reprendre pendant cinq minutes. C'est-à-dire nous ne sommes pas arrivés à définir ce qu'est le zéro artificialisation net. Et c'est extrêmement dommageable dans la mesure où nous sommes en train de légiférer dans le cadre du projet de loi climat et résilience sur la lutte contre l'artificialisation des sols sans avoir à la définir. Et c'est extrêmement problématique puisqu'on a vu un glissement terminologique et d'ailleurs vous êtes acteur de ce glissement terminologique. On parlait au départ du zéro artificialisation net, ce qui sous-entendait de définir ce qu'était l'artificialisation brute et l'artificialisation nette. Et puis, parce que nous n'arrivons pas à la définir, alors il y a certes une définition là dans le texte, tel qu'il a été voté en séance publique par l'Assemblée nationale, et donc le texte sera voté définitivement le 4 mai. Mais on nous parle de ZAN, de sobriété foncière, d'artificialisation brute, d'artificialisation nette, pour finalement atterrir sur un concept qui est le concept de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui ne recouvre pas du tout les mêmes choses. On essaye
de travailler sur des concepts synonymes et qui ne le sont pas, tout simplement. Or, on a un objectif en 2050 qui est de tendre vers le zéro artificialisation nette. Et tout ça pose un gros sujet, et vous en avez parlé tout à l'heure, un, d'échelle. À quelle échelle on va apprécier cet objectif? Alors, il est apprécié à l'échelle nationale, mais il va falloir une régionalisation par les Stradet et à l'intérieur même des Stradet, des territorialisations, avec des concepts qui sont extrêmement compliqués, faute d'ingénierie pour les collectivités, d'avoir à des systèmes de concurrence. Pourquoi? Parce que en fait, il s'est passé énormément de choses depuis 20 ans. Ça a été rappelé en introduction des tables rondes. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu la loi Allure, il y a eu la loi Élan. Il y a eu tout un système de juridique, d'appréhension juridique de la sobriété foncière, les limitations à l'ouverture à l'urbanisation. Beaucoup a été fait. Il fallait continuer, en fait, dans cet objectif-là, en essayant de changer de paradigme pour arriver à ce que les opérateurs et les collectivités travaillent de concert pour, un, proposer à leurs habitants et aux futurs habitants un cadre de vie qui soit agréable, une densification qui soit acceptable, tout en évitant de stigmatiser un certain nombre de formes urbaines ou de territoires. Parce que, comme l'a rappelé M. Achard, on est en train de stigmatiser des populations ou des ménages qui voudraient s'installer à l'hypercentre de la ville de Lyon, mais qui ne peuvent pas et qui sont obligés d'aller à 50 ou à 60 km pour des questions strictement économiques. Alors, j'entends bien tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, qu'il faut renaturer, qu'il faut remettre de la nature en ville. Tout ça, nous partageons totalement ce propos. Oui, ça veut dire que vous êtes... Qu'il faut réhabiliter les friches, mais à quel prix? Oui, ça coûte cher. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, et dans tout ce débat, et on oublie en fait l'utilisateur final, c'est que c'est l'utilisateur final qui paye. C'est pas la collectivité. Bah, il paye, mais il sera peut-être content d'avoir des services rendus côté nature. On est totalement d'accord. Mais quand vous arrivez, je vois sur le fonds friche, et le fonds friche de l'ADEME et le fonds friche France Relance, d'accord, 300 millions sont mis sur la table. Là, les candidatures ont été reçues par le ministère. Il y a 1 milliard qui est demandé pour des projets de réhabilitation de friches. Et qu'on se pose une question de se dire, ah ben on va peut-être pas pouvoir subventionner les projets privés, puisqu'il y a une problématique qui est liée à la Commission européenne, mais une problématique d'aide d'État indirecte. Et que le financement de ce déficit foncier, c'est-à-dire le coût de la pollution, de la démolition, de la renaturation et de la reconstruction, ne nous permet pas aujourd'hui, sauf à grand renfort de finances publiques, sauf qu'on a un problème aussi budgétaire qu'il va falloir financer, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des opérations rentables et qu'on ne va pas arriver à loger nos concitoyens dans des conditions économiques favorables. Et donc là, tout l'enjeu aujourd'hui est de créer les conditions tant juridiques qu'économiques d'application de ce principe de sobriété foncière pour réussir à créer du logement. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin de logement depuis... C'est la première année là où, en fait, il y a plus de... Ça, c'était jamais vu depuis 30 ans. Il y a plus de comment dirais-je, excusez-moi. On est sur un taux de logement neuf qui est le plus faible historiquement depuis 25 ans. Oui, donc alors on nous dit pas de problème. On nous dit pas de problème. L'effort va être mis sur la rénovation et sur la rénovation globale. 700 000 rénovations par an. Très bien. Le seul problème, c'est que M. Achard l'a dit tout à l'heure, la rénovation et l'obligation de rénovation entre guillemets, ça va être très bien dans votre région et dans un certain nombre de secteurs sur des métropoles ou sur des villes moyennes qui sont où il y a un marché. Bah, l'EPORA, Émeric Fabry tweet pendant que vous parlez, monsieur Yann Le Corfec, l'EPORA est pour partie présent sur la Mélise hors métropole de Lyon pour soutenir financièrement la reconversion aussi des friches.
il faudra beaucoup d'acteurs pour et un lien entre beaucoup d'acteurs pour essayer de sortir des gros projets qui soient intéressants et surtout qui soient végétalisés, comme le disait Philippe Clergeau. Et après, je parlerai un peu des formes urbaines qu'on met en place. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'un propriétaire, on ne va pas l'obliger à rénover son logement si le coût de la rénovation au mètre carré est supérieur au prix de marché. On n'y arrivera pas. On parle aussi de la structure, de la vacance. Mais la problématique de la vacance, c'est qu'on oublie qu'il y a une vacance conjoncturelle, et là-dessus, on peut intervenir, mais il y a également une vacance structurelle. Et la vacance structurelle, on n'y arrivera pas. Alors, moi, je parle à l'échelle nationale, mais il y a un certain nombre de villes-rues en France où vous pouvez essayer de rénover tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de marché. Oui, et parce que... De toute manière, les gens ne voudront pas revenir. Vous me donnez la transition, monsieur Lecourfec, parce que ces villes-rues qui n'ont pas la bonne exposition au soleil, et voilà, on ne va pas incliner le plan. Mais je vous fais réagir, s'il vous plaît, sur les visions de la consommation en lien avec les réactions sur la perte pour l'agriculture et la capacité de résilience qui, quand elles sont consommées, sans réversibilité. En gros, ça veut dire que cette notion de réversibilité dont nous parlait Fabrice Gravier, c'est-à-dire vous, comment du côté de la FEDE, vous pensez aussi sur le fait d'avancer et de proposer peut-être des montages aussi innovants, on ne peut pas trop et tout vous demander, mais c'est très challengeant cette notion de réversibilité, même si M. Lachard a dit que les sols restent, évidemment, on n'est que dans le bâti. Alors, je vais prendre ma casquette aménageur, spécialiste d'aménagement. On travaille aujourd'hui sur la densification des secteurs périurbains et pavillonnaires, en essayant de travailler sur des formes urbaines qui soient beaucoup plus compactes. Mais la problématique de la compacité appelle aussi une problématique d'opérations qui sont peu denses. Pourquoi ? Parce que plus vous allez construire, notamment de l'habitat individuel, pour loger un certain nombre de familles, sur des terrains de 150 mètres carrés ou de 125 mètres carrés, on sait faire aujourd'hui. Ce qu'on ne savait pas faire il y a 10 ou 15 ans, donc on évolue. Mais aujourd'hui, on sait faire. En revanche, vous êtes obligé de proposer aux habitants de ce quartier des parcs urbains végétalisés, qui sont par ailleurs considérés comme de l'artificialisation. Ah, voilà un beau paradoxe que vous mettez en perspective. Et on est au cœur de suggestions qui sont totalement contradictoires. Alors, je rassure M. Clergeau, les aménageurs utilisent beaucoup des écologues, des paysagistes, pour essayer de travailler dans le cadre d'une équipe de maîtrise d'ouvrage, pour proposer des projets qui soient effectivement sobres, sobres en foncier, mais sobre en énergie, qui peuvent être porteurs de biodiversité, notamment en proposant des essences qui sont locales, avec des cahiers des charges, c'est-à-dire la maîtrise d'usage, de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage. C'est comment les habitants vont, au fur et à mesure, prendre en considération et être acteurs en fait, du développement de leur quartier. Le seul problème qui se pose, c'est qu'on est aussi face à des collectivités qui nous disent « je ne veux pas d'espace végétalisé ». Et pourquoi je ne veux pas d'espace végétalisé ? Parce que ça me coûte cher à entretenir. Alors, on va peut-être considérer que là, vous ouvrez un espace très intéressant, parce qu'on voit bien comment, entre la commande, vous traduisez cette commande et comment on va en amont nourrir la commande de plus de sobriété. Vous posez un questionnement, effectivement, qui nous interpelle. Donc, ce que je vous propose, c'est de bien le noter et de revenir peut-être un peu à vous. Je ne suis pas sûre de diffuser la vidéo de Christelle parce que j'ai peur à la fois d'un chat qui s'emballe techniquement alors que là, il s'emballe sur la sobriété. C'est quand même super sympa. Donc, je vais inviter Guillaume Lebeau à nous rejoindre. À tout à l'heure, tous les protagonistes de la Fédération. Guillaume Lebeau, qui du côté du Forez, donc de Loire-Sud, va représenter les EPL d'Ovim. Guillaume, je ne vous vois pas, je vous cherche. Ah, je suis là, pas de souci. Ah, bonjour, Angèle. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Très bien, bon écoutez, merci de vous rejoindre parce que là, on est dans l'ancrage, dans le réel et ce n'est pas forcément complètement évident. Mais merci de rejoindre cette table ronde parce que
Vous, les questions d'aménagement et du foncier, on est d'accord, vous les connaissez très bien, trop bien. Et vous les appréhendez sur un territoire. Donc, si je vous pose la question de la table ronde, Guillaume, limitation de ressources, ce n'est pas quelque chose d'habituel dans votre référentiel du côté de Novim. Alors, en fait, je voulais rebondir quand même sur la conclusion que je viens d'entendre, que la question de ce paradoxe est quand même très intéressante. Alors, c'est vrai qu'on peut... Un aménageur comme Novim, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Novim, c'est le nouveau nom de la Société d'équipement et de développement de la Loire, donc un acteur historique donc, du développement de la Loire depuis plus de 60 ans. Donc historiquement, on peut dire que notre métier, c'était de gérer l'extension urbaine. Donc si on regarde de prime abord, on pourrait vraiment considérer qu'on est du mauvais côté de l'artificialisation, là aussi qu'on est un peu le méchant canard, le mauvais canard, comme ça avait pu être souligné. Non. Mais finalement, voilà, finalement, ce que j'avais envie aussi de passer, c'est que, comme message, c'est que les opérateurs et les aménageurs, notamment donc les EPL, interviennent en fait depuis déjà plusieurs années en tant que praticiens de la sobriété foncière. Voilà, il ne faut pas croire qu'on part non plus d'une feuille blanche. Il y a quand même des pratiques depuis de longues années, voilà, même plus de 10-15 ans, où on voit quand même tous les acteurs, et y compris donc les opérateurs fonciers, hein, comme Epora, les promoteurs, les constructeurs, vers plus quand même de sobriété foncière, en appui des collectivités. Et je veux dire, voilà, il y a quand même des choses encourageantes aussi qui se font. Et c'est pour ça qu'on peut vous faire intervenir, parce qu'on a besoin de ces ressorts concrets pour aller chercher les fils de la copie. Donc bien sûr que non, vous ne partez pas d'une feuille blanche, mais de votre feuille. Où est-ce que vous nous invitez à bien prendre le problème ? En fait, pour faire simple, alors c'est vrai, peut-être juste pour redonner le contexte, on intervient essentiellement donc Novim sur la plaine du Forêt et sur le Rouennais, donc vraiment sur des territoires finalement qui sont plutôt ruraux avec quelques centralités, mais voilà, on est quand même sur un marché très détendu, notamment dans le secteur de l'habitat, et ça pose quand même des vraies questions sur les modèles économiques, sur les questions de la faisabilité et aussi d'être un peu écartelé des fois entre des contraintes environnementales fortes, ambitieuses et finalement intéressantes, hein, mais en même temps des injonctions finalement des élus et des collectivités qui voudraient aussi être un peu dans une sorte de rattrapage, que ce soit en termes de zone d'activité, que ce soit en termes d'habitat. Donc c'est vrai que voilà, nous on se trouve excusez-moi, Guillaume, il y a un micro qui est ouvert chez les intervenants. Alors, on reprend Guillaume. Donc, cette notion de rattrapage, ça ne vous plaît pas trop. Alors, en fait, ce rattrapage, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même certaines collectivités qui cherchent finalement à répondre aux demandes des habitants, hein, en termes de création de zones pavillonnaires. On a quand même des entreprises qui souhaitent se développer sur des zones d'activité. Et les zones d'activité sont quand même fortement dépensières en terrain. Mais finalement, voilà ce que je voulais dire, et peut-être enchaîner sur la slide suivante, c'était un peu sur les pratiques qu'on pouvait mettre et qui sont dans nos cœurs de métier. Donc voilà ce que je disais, c'est qu'on a un peu un paradoxe sur lequel on s'interroge un peu tous. C'est comment en fait on pourrait cesser de s'étendre alors qu'on doit répondre à des besoins de la population en termes de logement, d'équipement ou de foncier, finalement qui peuvent apparaître un peu en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation net. Donc voilà, plutôt parler d'objectifs ZAN, voilà, j'aurais plutôt envie de répondre un peu sur la question de la sobriété foncière, qui est actuellement plutôt ce qu'on pratique. Quand je parle de la sobriété foncière, je parle aussi un peu de ses différentes composantes, c'est-à-dire à la fois donc, l'utilisation du sol, la question en fait, de l'imperméabilisation des sols, et donc de la gestion des eaux, et aussi un point qui forcément va avec, c'est la question de la biodiversité, sur lequel aussi on est... finalement très présent depuis quelques années dans nos zones d'activité. Voilà, donc c'était les trois enjeux auxquels je voulais parler. Et finalement, dans nos différents champs d'activité, je prends par exemple les friches où on a tout un travail de traitement des friches. Alors, on intervient parfois directement dans le traitement des friches, par exemple comme sur Andrézieux. On intervient la plupart du temps plutôt en second temps derrière le travail des poras. Voilà, donc quand on parle effectivement, parce que je crois que c'était monsieur le Corfec qui le disait, qu'il y avait une multiplicité des acteurs qui devaient finalement rentrer dans une logique de partenariat. Oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on essaye de travailler de plus en plus dans la chaîne de valeur de l'aménagement, voilà, de partir de la commande de la collectivité, de travailler avec les différents acteurs qui peuvent nous permettre effectivement de limiter le champ et le coût économique de l'opération. Donc
les établissements fonciers en font partie, hein, ils font vraiment un travail vraiment intéressant. Oui. Et nous, ça nous permet en tant qu'aménageurs d'arriver en fait dans un deuxième temps. On a effectivement tout ce qui est le renouvellement urbain. Oui. Donc le renouvellement urbain, c'est, on est intervenu donc, régulièrement hein, sur tout ce qui est quartier ancien, par exemple sur le retraitement du quartier ancien de la ville de Saint-Étienne, qui est continué par une SPL spécifique, mais qui travaille vraiment sur ces questions-là. Il y a aussi la question de tout ce qui est, on en a parlé, hein, de tous les projets Action Cœur de Ville, la question Petite Ville de Demain, où c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on recherche à recréer de la centralité, peut-être de la réutilisation de logements vacants dans des petites centralités rurales. Et c'est vraiment un travail alors, qui est là aussi fortement subventionné hein, par l'État, par la NCT. Notamment, on repense aussi au fond pour tout ce qui est commerce et activité. Et effectivement, si on veut faire revenir les gens en centre-ville, s'ils veulent avoir envie d'y aller, il y a effectivement toute la question de la ville habitable, avec les espaces verts, avec les îlots de chaleur qui doivent être traités, qui sont très intéressants, mais il y a aussi la question des services. Et voilà, si on doit intervenir sur ces questions-là, on doit aussi recréer ces services en centralité de bourg. Donc, en fait, si je comprends bien, Guillaume Lebeau, vous êtes en train de nous dire qu'il faut maintenir ces équilibres et vous considérez que les dispositifs Action Cœur de Ville, tout le bâti existant, ça, c'est super. Vous êtes moins à l'aise avec les nouvelles contraintes qui arrivent et où nous, on vous dit qu'il y a du potentiel. Ça veut dire que ce potentiel-là, vous avez enlevé du goudron, imperméabilisé les sols, vous avez travaillé avec des agriculteurs pour négocier des haies, vous avez peut-être communiqué, je crois même, avec la FRAPNA récemment. Donc, ça veut dire que vous vous sentez aux limites de votre capacité à créer ce dialogue ainsi et vous avez besoin de l'amarrer autrement ? Alors, effectivement, voilà, nous, on a certains enjeux hein, sur lesquels... On est très partie prenante, comme vous disiez, avec un certain nombre de partenaires. Et effectivement, comme on disait, on associe des paysagistes et des écologues aussi dans nos équipes de conception. Donc, c'est des enjeux sur lesquels on se porte. Et finalement, nous, la difficulté actuelle, c'est un peu la définition de l'enjeu. On a quand même en fait, un grand flou en fait, sur la définition des enjeux de cette sobriété foncière, à la fois en termes de périmètre. Oui. On a parlé du grand territoire. Or déjà c'est vrai que si on rentre déjà rien que la définition on en a déjà parlé de longuement donc je ne vais pas revenir là-dessus mais on n'est pas d'accord en fait voilà, il n'y a pas une définition stricte de ce qu'est l'artificialisation de comment on la mesure si je reviens sur la question voilà, un parking pour moi ne peut pas être considéré de la même façon qu'un espace vert un parc paysager donc ça c'est une question qui est quand même à traiter donc à quel horizon on doit intervenir comment on le mesure voilà, c'est des questions qu'on se posait il y a la question du périmètre. En tant qu'aménageur, nous, on intervient souvent en aval. Donc, effectivement, il y a eu les collectivités sont dans les différentes chaînes, hein, on va du Stradet au SCOT, PLU, voilà, toutes les ambitions du ZAN seront mises. Nous, qu'on intervient au niveau du projet, est-ce qu'on a des obligations et une ambition en fait au niveau du projet et comment on la gère? Lorsqu'on intervient en tant qu'aménageur, on intervient généralement sur un périmètre, mais on voit bien qu'en fait, la question de la question des compensations se font hors périmètre, donc sur quel foncier. Voilà, nous, ça nous arrive régulièrement, notamment lorsqu'on est sur des questions de, par exemple, dans nos arrêtés CNPN, on a des compensations à mettre en dehors du territoire, sur un foncier qui finalement n'est pas maîtrisé ou appartient à d'autres, des agriculteurs, des collectivités. Comment on l'intègre finalement dans ce modèle? Bon, on en a parlé, je ne vais pas revenir, mais la question de la densification aussi, il y a une question de l'acceptabilité sociale. Oui, bien sûr. On sent bien que, ouais, on se l'est tous dit, mais c'est vrai que la crise de la Covid a plutôt donné envie aux gens d'aller retourner vers la nature et d'être moins en centralité ou en ville. Donc la question de la qualité dans la ville dense se pose. Ouais. Et donc, sur toutes les questions, on va dire un peu. Pardon, vous vouliez. Non, ce que je veux dire, c'est quand je vous écoute tous les trois, et je ne sais pas si ça me fait impression que vous me regardez ainsi, avec cet air très dubitatif, mais j'ai l'impression que, dans le fond, vous êtes déjà dans l'action avec ces bureaux d'études qui vous sont très étroitement associés, avec qui vous travaillez de manière. Vous êtes des écologistes convaincus, dans le fond, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut pour vous rentrer dans un espace de dialogue beaucoup plus constructif. Oui.
Oui, parce que effectivement, souvent, on l'a déjà eu en fait, on a des discussions récurrentes hein, avec l'ADREAL qui sont souvent très challengeantes et très intéressantes. Oui, toujours. La question, nous, on intervient très, très en retard en fait dans le champ de l'aménagement. Alors, trop en retard. Public, moi, je pense qu'on intervient trop en retard, c'est-à-dire qu'on intervient souvent. Voilà, on est très peu associé sur la question des SCOT, on est très peu associé sur la question des PLU. Je prends l'exemple de nos villes, on doit apporter une très grande majorité des zones d'activité économique, par exemple du nord du département et du centre du département. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas non plus questionné sur les équilibres en fait, entre le fonctionnement et la maîtrise du foncier à vocation économique sur l'échelle de ce grand territoire. Et puis la question que vous voulez aussi revenir, malgré tout, c'est les aménageurs et les OPL, et plus particulièrement peut-être les OPL, notre caractère, on va dire, aussi parapublic, hein, avec des actionnaires publics à notre tour de table. On est quand même souvent à la courroie de transmission des demandes des collectivités. Donc, il y a quand même une ambition hein, d'avancer sur ces questions, sur ces enjeux. Mais il ne faut pas faire, en fait, le deuil non plus des équilibres économiques. Voilà, c'est... Mais non, nous ne les faisons pas. Nous cherchons bien sûr avec vous à travailler. Je lis le chat de Benoît Schmalt. ZAN est une concession écologique de la part d'un système non écologique. Donc, tout ça sera bien plus clair quand on parlera d'éco-conception et qu'on sera peut-être plus précis sur les paradigmes. Je vous laisse faire une pause, peut-être Guillaume Lebeau, parce que l'idée peut-être que vous avancez, parce qu'on n'a pas parlé des opérations de Novim, mais il y a quand même des choses très intéressantes. L'ancienne usine GG du côté de Montbrison, vous avez travaillé du côté de Mably. Enfin, vous avez fait, c'est vrai, quand on va sur votre site internet, on voit quand même la qualité des opérations qui sont livrées. C'est assez bluffant. Donc voilà, on se dit juste que Novim est activateur durable des territoires et peut-être qu'il va être activateur des territoires durables tout court. C'est un peu notre ambition, mais finalement, on ne le sera que s'il y a une vraie demande et finalement une vraie injonction aussi de nos clients et de nos collectivités. C'est d'abord elles qui nous passent, entre guillemets, commande d'une pratique. Et après, dans l'autre champ, et pour conclure, dans l'autre champ finalement de cette chaîne de valeur, c'est aussi s'il y a une demande, c'est vrai, au final, c'est les habitants et les entreprises qui nous valident nos projets. Donc, si on ne vend pas de charges foncières parce que les habitants ou les entreprises finalement considèrent que notre projet ne répond pas à leurs attentes, on se posera malgré tout un vrai problème, même si on a pensé être complètement vertueux dans notre pratique initiale. Bon, en tout cas, on est saisi par votre témoignage. Je vais revenir sur Yann Le Corfec. Et au moment où je vous parle, je lance l'interrogation collective de rediffuser la vidéo de Christelle, sachant que j'ai eu une explosion de commentaires dans le chat comme quoi ça ne marchait pas. Donc, je laisse l'équipe projet me donner l'indication, ou vous-même peut-être. Et je reviens vers vous, Yann Le Corfec. Dans le fond, quand on prend la position de la Fédération française du bâtiment, vous parlez souvent de coûts et on le comprend, c'est une notion qui fait que Guillaume l'a rappelé, Monsieur Achard, c'est un modèle économique et vous êtes des as de la gestion de projet et on a peut-être beaucoup à apprendre aussi de vous sur ces questions. Mais dans le fond, il y a des coûts aussi induits, c'est-à-dire si on ne se pose pas ces questions, on va avoir dans le fond, avec cette faible ambition écologique, on va avoir de la précarité des ménages, cette perte de biodiversité, elle va intervenir, on va s'éloigner de la production agricole, on va perdre ses fonctions écologiques du sol. Donc, tôt ou tard, est-ce qu'il ne faut pas abandonner le vocabulaire coût économique pour transformer dans ces opportunités de réassurance et de confiance pour la population? Vous êtes un acteur majeur là-dessus. Allez-y, Yann. J'ai remis mon micro. Oui, je ne suis pas certain qu'il faille omettre la problématique économique. C'est une problématique parmi d'autres. Néanmoins, vous avez raison. Vous avez raison, il faut prendre en considération toutes les problématiques. Et les problématiques de mouvement pendulaire. On a eu la problématique des gilets jaunes, mais c'est aussi une problématique qui a une illustration dans le cadre du ZAN. C'est-à-dire qu'on a poussé des gens à aller beaucoup plus loin que l'endroit où ils habitaient, avec des mouvements pendulaires très importants et effectivement un problème économique lié à la taxe carbone. Ne refaisons pas les mêmes erreurs.
C'est-à-dire que essayons d'avoir une démarche qui est une démarche collégiale sur ces problématiques et d'arriver, parce qu'il y a une problématique juridique qui va intervenir. Je vous donne un exemple. On essaye de définir l'artificialisation. On n'y arrive pour l'instant pas. On remet au calende grec, hein, c'est-à-dire qu'à la publication d'un décret dont la ministre nous a dit qu'il ne sortirait pas avant 2 ou 3 ans. Donc là, on dit aux collectivités, vous devez anticiper, appliquer un concept qu'on n'arrive pas bien à définir. Donc il va y avoir des Stradet, des Scott, des PLU qui vont intégrer la problématique et la division notamment par deux du rythme d'artificialisation sur les 10 années, précédentes. Très bien. Le seul problème, c'est que si on n'arrive pas à avoir une définition juridique, on risque d'avoir un blocage du développement des collectivités territoriales par le strict prisme du contentieux. C'est-à-dire que des associations environnementales, je n'ai rien contre elles, elles sont utiles, mais risquent d'attaquer des PLU ou d'attaquer des SCOT, parce qu'il n'y a pas eu une prise en compte suffisante de la problématique de l'artificialisation. On voit ce qui s'est passé sur le PLU du Grand Toulouse. Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça bloque tout. Ouais, donc, il faut éviter ça parce que... Donc, il faut une démarche collégiale, il faut donner aussi aux collectivités les moyens de leur ambition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ingénierie locale. Alors, il y a la NCT, mais tout ça a du mal à se mettre en place. Et ça doit se mettre en place plus rapidement. Les agences d'urbanisme ont un rôle essentiel là-dessus de conseil aux collectivités dans le cadre de la planification et de la programmation. Et là-dessus, il ne faut pas aussi omettre les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. On devrait être consulté dans le cadre des SCOT ou des PLU. On connaît les problématiques et les dynamiques de marché. On sait ce qu'il faut faire, alors certes au niveau économique, mais aussi au niveau opérationnel. Depuis 20 ans, les aménageurs ont changé totalement leur manière de fabriquer la ville depuis 20 ans. La prise en compte du développement durable, la prise en compte de la problématique de la biodiversité, on sait la gérer. Mais là aussi, il y a des problématiques. On a éviter, réduire, compenser. Tout opérateur normalement constitué, dans sa démarche de conception, intègre cette démarche éviter, réduire, compenser. Mais la problématique de la compensation, on parlait de financiarisation, elle devient financière. Pourquoi ? Mais parce qu'on doit gérer avec une obligation de résultat sur 20 ou 30 ans cette problématique de compensation, avec une possibilité pour le préfet d'ailleurs de revenir nous voir 25 ans après en nous disant « Ah ben non, vous n'avez pas respecté votre obligation de résultat ». Et donc on remet tout en cause sur cette problématique. Donc oui, du partenariat, de la consultation de l'ensemble des acteurs, mais aussi des démarches itératives pour voir si, en fait, ce jeu d'acteurs fonctionne sur toutes les problématiques et sur toutes les questions. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira avec une vision pragmatique, pas de vision dogmatique, et d'éviter de stigmatiser soit des territoires, soit des formes urbaines. C'est un équilibrage des points de vue, parce que Vincent Malfer là, m'accompagne, je le remercie d'ailleurs. Certes, les professionnels de l'aménagement et de, dit-il, ne se lèvent pas le matin en se disant comment on va pouvoir faire du mal à la planète, mais plutôt comment concilier les attentes publiques fortes et légitimes et les besoins et capacités économiques des habitants entreprises. Je vois tous les jours combien coûtent en argent public les projets vertueux de recyclage urbain pour pouvoir maintenir des prix de sortie accessibles aux ménages. Tout est dit, ben, bravo Vincent Malfer, bravo. on est là tous ensemble. Donc si vous me permettez, parce que moi je trouve quand même que là on avance sur l'idée de travailler ensemble, de mettre du mode projet un peu plus près des élus et tous ensemble. Donc on laissera bien sûr nos directeurs se positionner sur ces questions. Je ne résistais pas au fait de diffuser quand même l'interview de Christelle par le lien YouTube que l'on va mettre dans... Alors si ça ne marche pas, on s'arrête et on garde le punch là qui est là et qui est très agréable. On tente le coup, vous êtes d'accord messieurs? À première vue, ça marche. Ah. C'est
c'est de dire, bah, effectivement, dans cette aire métropolitaine, il y a une combinaison d'enjeux qui sont celui de la zéro artificialisation, qui sont celui du renouvellement urbain, du recyclage, etc. Mais que ça, tout ça, ça ne doit pas être séparé, ça doit être pensé ensemble, parce que si on veut effectivement pouvoir enclencher cette dynamique vers la sobriété foncière, eh bien, il faut penser en même temps les modalités du renouvellement urbain et du recyclage. Et enfin, il me semble que là, il y a des enjeux tout à fait cruciaux, c'est-à-dire que je peux prendre un exemple de ça. Si on dit, bah, voilà, on démolit pour reconstruire dans la ville existante, on renouvelle la ville. Si, faisant ça, on produit des espaces qui sont juste denses par vertu intrinsèque et on ne se soucie pas de bonnes conditions de vie et de penser ce nouvel aménagement avec la nature. Alors c'est même un mot que j'ai du mal à utiliser maintenant, puisque c'est largement documenté par les travaux de Bruno Latour et d'autres, mais dire la nature, c'est venir à ce grand partage tel qu'il a été fait au 15e, 16e siècle, de nous les humains d'un côté et la nature de l'autre, que l'on peut du coup exploiter, etc. Se penser terrestre, comme le dit Bruno Latour, c'est bien d'essayer de combiner à différentes échelles des habitats, des différentes espèces terrestres dont nous sommes, sans les répartir de manière fonctionnelle. On sait tous que le zoning fait complètement partie de l'histoire et peut-être est un des principes fondamentaux structurants de l'aménagement, ça c'est clair, mais c'est vraiment une forme de révolution de cette pensée-là, d'attribuer une place à chacun de manière hiérarchisée, de préférence, comme ça on met des choses dans l'ordre où on le souhaite à un moment donné, mais de penser vraiment de manière systémique et avec des paradigmes, eh bien, qui sont plutôt ceux de la justice sociale, du système Terre. Alors ça paraît un petit peu vague, mais ça peut aussi très bien s'incarner. Je peux en prendre un exemple que j'ai un peu oublié de filer tout à l'heure, mais démolir, c'est un acte voilà, qui est aujourd'hui, depuis le début des années 2000, on accepte de démolir des logements sociaux, on l'a fait beaucoup. C'est un acte qui techniquement, socialement, économiquement est calé. Mais si cet acte de démolir, on le pense davantage comme un acte de déconstruire la ville, de déconstruire au sens comment dire, positif quasiment de la chose, en formant les architectes et d'autres professions à cette nouvelle manière de concevoir la transformation de la ville, quand on démolit, on en profite pour donner de la qualité de vie, pour améliorer la condition urbaine des gens qui sont là. On réfléchit aux espaces que ça dessine. Alors les vider les pleins, moi j'aime pas trop parce que il y a quand même pas beaucoup de vide dans la planète que nous habitons. En tout cas, les vides sont souvent habités, même si nous avons décidé de ne pas voir ceux ou celles qui les habitent. Mais voilà, il y a aussi un vrai enjeu là-dedans, dans ce recyclage des espaces habitants, qui pour moi est indissociable du fait de penser ou d'essayer de penser l'artificialisation, c'est très difficile à dire, l'artificialisation des sols. Parce qu'il y a des enjeux tout à fait cruciaux à inventer de nouvelles manières de travailler, de nouvelles scènes de dialogue entre acteurs publics, acteurs privés, entre tous ces acteurs qui fabriquent les territorialités, j'insiste là-dessus, on n'est plus dans des logiques territoires de territoires emboîtés, juxtaposés, etc. Tout ça fonctionne en réseau, je crois que voilà, on le sait aujourd'hui. Il y a des contradictions dans la manière dont est produite la métropole aujourd'hui, appelée à la limitation de l'étalement urbain d'un côté, appelée à tout le monde à être propriétaire de l'autre, tout ça. Voilà, il faut aussi se trouver des scènes à en parler, que les élus ne restent pas seuls avec ça. Ils ont effectivement beaucoup de pression aussi, on le sait, selon le positionnement des communes d'ouvrir des terrains à l'urbanisation, encore plus quand la commune a perdu des habitants et qu'il faut sauvegarder un certain nombre de services pour les habitants qui sont restés ou ceux qui sont déjà là, comme on le dit. Donc oui, beaucoup de pression pour les élus, mais surtout, c'est un
c'est un sujet collectif, donc que les élus contribuent parmi d'autres, acceptent aussi peut-être de dialoguer, de travailler avec des techniciens, des universitaires, des parties prenantes associatives qui ont des points de vue orientés, qui ont des prismes, mais qui apportent, qui doivent enrichir la réalité telle qu'on la vit, parce que chacun de nous, on en vit une part. Donc être sensible à ces différentes expériences, à ces différentes conceptions avec les enjeux qu'on a rappelés, eh bien je crois que ces webinaires-là peut contribuer énormément à cette échelle-là qui est la bonne. Ça veut dire qu'entre planification et projet, il va falloir aller sur des hybridations tout à fait pertinentes. Subtiles et pertinentes. Alors, la planification donc, reste indispensable. L'accompagner, la tenir, l'évaluer, je sais bien que c'est fait, mais être sérieux et... sérieux et accompagnant, je trouve pas d'autres mots, avec ces principes de planification, se soucier de qui les gouverne aussi. Quand on a une métropole où la question de qui dans une charte métropolitaine fait encore beaucoup de place aux communes, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait juste. Donc là aussi, de prendre les échelles qui sont là au sérieux et ne pas faire de la métropole juste ce fantasme de compétitivité territoriale et d'en faire aussi un outil pour améliorer la condition des gens qui vivent dans ces espaces composites qui constituent la métropole. Écoutez, je crois qu'on a pu enfin savourer les propos de Christelle Morel-Journel. Je vois que certains commencent à nous quitter en rappelant effectivement ce que nos universitaires mettent en place. Mais bien sûr, loin de nous d'opposer, c'est bien effectivement de voir un peu comment on peut travailler ensemble. Et tout le monde convient que c'est hyper compliqué. Donc, ce côté terre nourricière, ce côté système terre, je crois que là, on a bien compris qu'il y a des enjeux et qu'on va travailler ensemble. Donc, je ne voudrais pas terminer cette table ronde. Je vais bientôt ouvrir le propos de conclusion. Peut-être revenir à l'État. Vous êtes parti, Fabrice Gravier, je ne sais pas, puisque vous étiez au tout début. Non, je suis bien là. Ah, ben voilà. Donc, écoutez, avant d'arriver sur la conclusion, et le micro est ouvert pour tous les protagonistes de l'échange, c'est quelques minutes qui nous séparent de la conclusion. Là, vous avez eu quand même un dialogue assez franc, on peut dire, ce matin. Il faut saluer quand même les apports qui sont amenés. Comment vous ressentez un peu les équilibres en présence ? Voilà, c'est une question difficile que vous présentez. Ce qui est clair, je crois, c'est que personne ne nie les défis qui sont face à nous. Tout le monde reconnaît qu'on est dans une phase un peu transitoire où on cherche encore des définitions, notamment juridiques. Oui. On parle du projet de loi climat et résilience. On note bien que le projet de loi ne comporte pas la notion de ZAN. Il ne le codifie pas. On est déjà dans cette notion d'artificialisation qui pose souci, et dans une première tendance qui est de réduire par deux la consommation d'espace. Voilà ce que va dire la loi, elle n'a pas encore codifié le ZAN, donc on est encore dans une période, je dirais, transitoire. Ce qui est clair, c'est que chaque acteur ne peut pas agir indépendamment, je crois que tout le monde l'a bien dit ce matin. La place du citoyen, elle est centrale. Est-ce que le citoyen fait des choix raisonnés ? Est-ce que chez citoyen a fait des choix forcés? C'est une question qui est centrale. En tout cas, on voit bien que la Convention citoyenne sur le climat a bien posé la question de l'artificialisation. Donc, c'est un problème de société aujourd'hui et pas uniquement un problème du législateur ou des collectivités ou des acteurs de l'aménagement. Donc, il faut continuer, je dirais, d'avancer collectivement là-dessus. On ne l'a pas forcément bien dit aujourd'hui, mais je crois que le volet aussi recherche, innovation, technologie est central. On doit certes, je l'évoquais, trouver un autre mode d'habitat désirable, mais il dépend aussi de nouvelles technologies, de nouvelles filières
Je veux dire, on ne l'a pas dit ce matin, mais je crois que les acteurs du bâtiment seront d'accord avec moi. Le tout béton va poser des difficultés dans les prochaines années, à la fois dans la ressource en entrée, mais aussi en sortie après la déconstruction. Donc, dans le prix, à la fois des nouvelles ressources, le bois, des filières, l'économie circulaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail devant nous. Moi, ce que je retiens, c'est l'envie de travailler collectivement. L'État s'est peut-être trop tourné vers les élus locaux aujourd'hui, mais pas assez vers l'ensemble des acteurs concernés, les acteurs de l'aménagement, les acteurs de la société, pour ne pas, je dirais, agir de manière cloisonnée sur ces questions-là, comme on a pu finalement agir de manière cloisonnée sur l'aménagement du territoire. Voilà quelques mots que je retiens du séminaire de mon côté. Rien n'est gagné encore, mais l'énergie est là. Ouais, c'est très bien. Est-ce que certains protagonistes des tables rondes veulent faire Monsieur Lachard? Bien sûr, c'est très bien d'ailleurs de voir que vous êtes en dialogue tous les deux. Ben écoutez, oui, bien sûr qu'on est en dialogue parce que c'est notre quotidien et nous, on est toujours ravis pour les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs que je représente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir échanger à tous les niveaux. Mais au quotidien, on échange déjà beaucoup aussi avec nos élus dans les petites communes parce que on est là pour trouver des solutions pour les communes, pour les habitants de ces communes, pour créer du logement. Encore une fois, voilà, je ne voudrais pas qu'on pense qu'on est là que pour s'enrichir, entre guillemets, ou pour créer du logement dans n'importe quelles conditions. Mais de toute façon, notre survie à nous, elle va dépendre de notre capacité d'adaptation par rapport aux règles qui vont être mises en place et puis aussi par rapport à l'attente de nos clients. C'est pour ça qu'on est extrêmement sensible à l'attente de nos clients. Par exemple, quelque chose que personne n'avait anticipé, c'est cette période de confinement qu'on a vécue. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie au mois de mars de cette année. 23% des Français estiment que le confinement a changé l'image qu'ils faisaient de leur logement. 24% des Français souhaitent déménager. Et la majorité des logements sont inadaptés au télétravail. On ne l'avait pas anticipé, et c'est normal, c'est une pandémie qui nous est tombée dessus, on ne l'avait pas intégré, et aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans la réactivité, il faut qu'on se dise, ben voilà, travailler, c'est peut-être plus agréable et plus facile de travailler dans une maison que dans un appartement de 50 mètres carrés avec deux enfants. Mais peut-être qu'on ne revivra jamais des pandémies comme ça, ou peut-être qu'on en vivra en permanence. Le quotidien, c'est aussi de nous adapter, mais pas tout seul. Oui, non, mais vous avez raison. Les participants qui étaient présents lors de ce webinaire. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant et intéressant pour nous. Le Covid nous a fait voir les choses et on a effectivement été boosté dans l'innovation. Je vais passer la parole à Roloff Vera. Je reviens vers vous, Monsieur Lanne Corfec. Donc, je note quand même cette tonalité positive. Ça m'intéresse, moi, parce que je trouve qu'il y a un matériau pour aller plus loin. Roloff, alors, après cette palette de couleurs magnifiques qui nous reste en tête, c'est quoi la tonalité de cette fin de débat, ce concernant ? J'ai un problème de connexion là. Non, c'est bon, je t'entends. Parfait. Je ne sais pas si… Si, je vous entends. Vas-y, Roloff. Oui, non, c'était juste une remarque très, très rapide, très, très bref, mais pour dire, finalement, à mon avis, tant qu'on, dans la définition qu'on donne de la ZAN, on continue à parler en termes de consommer de l'espace et qu'il y a de l'espace urbain qui consomme d'autres types d'espace, à mon avis, on est sur la mauvaise piste et ça rejoint cette idée de changement de paradigme sur laquelle insiste Christelle Morel-Journel. Et à mon avis, ça traduit une modèle dans laquelle on raisonne quand même avec derrière la tête une valeur économique des terrains qui fait que la valeur économique des terrains agricoles ou autres est moindre, donc on peut les consommer, on peut les transformer. Et il faut qu'on arrive à valoriser, peut-être pas économiquement, autrement, les différentes fonctions qu'a le terrain. Et un terrain, on ne consomme pas, on change sa fonction et on peut réfléchir à quelle fonction on peut changer pour une autre. Et c'est dans ces termes-là qu'il faudra aborder la chose. C'était juste une réflexion générale. Bravo Roloff dans ce logiciel mental. Une toute petite réaction parce que je vais ouvrir la conclusion, Monsieur Le Corfec. Oui, juste pour dire, parce que je lisais un peu le chat et je,
je me posais la question. Les opérateurs ne sont pas contre le principe de sobriété foncière et ne sont pas contre le principe de la protection de la biodiversité. Il faut bien que ce soit compris, là, on l'a bien puisque, puisque ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces questions, ça, sur la haute qualité, la HQ, aménagement, etc. Tout ça a été intégré. Je répondrai à Monsieur Gravier. Je crois qu'il y a une chose, et l'État y a pensé, y pense depuis 4-5 ans. La réponse, c'est aussi l'aménagement opérationnel. C'est l'aménagement du territoire, mais c'est l'aménagement opérationnel. Tant qu'on ne remettra pas l'aménagement, les ZAC, les permis d'aménager, mais aussi l'aménagement hors procédure, au centre du jeu, au centre de comment on refait la ville, sur la ville, eh ben on n'aura pas répondu aux questions. Et la sobriété foncière, c'est par l'aménagement qu'on y arrivera. C'est par les opérations organisées et pas par les opportunités foncières au coup par coup. Écoutez, merci, Monsieur Fabrice. Je reviens pas, Fabrice Gravier, pardon, je reviens pas vers vous. Je vais lancer la conclusion, et puis si tout va bien, on pourra se dire au revoir et peut-être même une prochaine fois. Mais je vais garder mon chrono. Restez avec nous, tous les protagonistes. Je vais ouvrir officiellement la fin de cet échange avec la conclusion que nous allons pouvoir suivre. Elle va être animée par Ludovic Meillet, directeur adjoint de et puis représentant du réseau A2, et par Jérémy Tourtier, qui, bien sûr, on le connaît sur ses fonctions du CEPAL, mais au titre de la coordination de l'Interscot. Alors, messieurs, si je comprends bien, c'est une conclusion à deux voix qui nous va tout de suite vers Jérémy Tourtier. Jérémy, je ne vous vois pas. Vous êtes là ? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Mais je vous en... Donc, en fait, déjà, toute première question, là, il y a quand même quelque chose qui m'amène à vous poser la question sur la réception de tous les messages qui ont été produits et l'Interscot face à ces questionnements. Oui, donc déjà, merci pour cette webinaire très riche. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci pour les intervenants divers et variés, avec des approches très, très contrastées qui ont permis d'avoir ce débat. Et débat qu'il faudra poursuivre, je pense, dans nos travaux à l'échelle de l'Interscot. Donc, je représente l'Interscot qui regroupe 13 OSCOT autour de Saint-Étienne et Lyon. Donc, je vais pas prétendre parler à leur place et je pense qu'il sera intéressant d'entendre nos élus présidents des SCOT lors peut-être d'un prochain webinaire qui sera organisé à la fin de l'année. Mais voilà, je voulais simplement rappeler que ces questions d'étalement urbain sont déjà prises en main par les SCOT depuis la loi SRU maintenant. À l'échelle de notre aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, donc via l'Interscot, il y a eu un chapitre commun qui est une sorte de grand projet d'aménagement et de développement durable qui a été acté, dans lequel on a déjà la préservation avec la traversée bleue, l'inversion du regard, la question de la multipolarité. Donc ça rejoint ce que disait M. Clergeau sur la notion de ville-archipel, qui finalement se traduit chez nous par la notion de multipolarité, mais c'est relativement proche, avec des villes qui soient bien reliées par un réseau en transport en commun efficient. Donc ces principes, je dirais, sont déjà dans l'ADN de notre Interscot et des SCOT. Mais on voit bien en effet qu'il va falloir aller bien plus loin et mieux, je dirais. C'est plus sur le qualitatif qu'il faudra travailler peut-être que sur le quantitatif. Et moi, de ce que je retiens peut-être ce matin, c'est que ça pose aussi tout ça la question, on l'a vu avec les propos de la Fédération du bâtiment ou je ne sais plus qui disait ça, qu'il y a un risque de report du résidentiel sur les territoires qui ne sont pas outillés. Monsieur, en effet, ça pose la question des équilibres, je dirais, territoriaux, et les SCOT sont en plein dans ce sujet-là, équilibre à la fois du résidentiel, mais aussi des emplois, des services, si on veut dégonfler les agglomérations, les métropoles, il va falloir que l'emploi suive, parce que le marché, il est là où il y a l'emploi. Et puis, je retiens aussi la question du retour à la terre. Retour à la terre, est-ce que c'est un retour à la terre aussi par les métiers? Est-ce que demain, l'agriculture va prendre peut-être plus de place en termes de métiers? Ça, c'est des prévisions que font, par exemple, le Shift Project qui est représenté aujourd'hui là, par M. Schmalz, notamment, qui travaille sur ces sujets de transformation de l'économie française, où il y aura peut-être un regain léger d'emploi dans ces secteurs-là. Donc voilà, ça pose toutes ces questions-là. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est des travaux qu'on mène avec les agences sur cette traduction du zéro artificialisation net sur la Mulhouse, donc aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, et qu'on souhaite mener avec... avec tous, l'État est déjà partie prenante, la région l'est aussi,
L'EPORA a aussi fait partie de notre groupe de travail et bien évidemment on souhaite associer tous les acteurs hein, de la filière du bâtiment, les promoteurs. Et l'idée, c'est de travailler sur un travail qualitatif, moins que quantitatif, oui. Pour identifier les leviers par typologie de territoire. Voilà, ouais. C'est un petit peu la philosophie du travail que nous menons avec les agences. Très bien. Voilà, et peut-être rappeler, alors je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais rappeler aussi que nos élus de président d'Escot, ceux qui sont réunis tout récemment, pour la première fois de ce mandat, le 29 avril, ont déjà écrit un courrier commun sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une préoccupation, une forte préoccupation de leur part. Courrier qui a été envoyé aux parlementaires dans le cadre de la loi climat résilience pour donner un petit peu leur sentiment, leur avis sur cette loi, avec, on va dire, les trois ou quatre principaux messages. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause hein, de l'objectif. On est bien sur la volonté d'accélérer les choses. On est malgré tout sur l'interpellation sur les délais de mise en compatibilité de nos documents, qui était 2024 lors du premier passage, il est passé à 2026 aujourd'hui pour les SCOT. Donc les SCOT devront être modifiés et approuvés avant 2026, donc c'est un rythme qui est un peu mieux, je dirais, pour pouvoir que ce soit un projet concerté. On a dit qu'il fallait concerter beaucoup avec les acteurs, les populations, donc ça nécessite aussi du temps, puisque le ZAD, ça touche tout le projet, hein, tout le projet de territoire. Il y a une question de moyens que M. Le Corfec a évoqué aussi. C'est des choses qui, la loi de finances a réduit les moyens des collectivités pour modifier leur SCOT et leur PLU. Et donc là-dessus, il va falloir peut-être changer les choses, donner plus de moyens aux collectivités pour le faire. Troisième point, c'était qu'il faut aussi prendre en compte les efforts qu'ont déjà réalisés certains territoires. Je cite le SCOT de la Dombe, par exemple, qui récemment a été approuvé en 2020, qui a déjà prévu de faire moins 50% de consommation d'espace à horizon de 20 ans. Donc voilà, prendre en compte ce qui a déjà été fait. Et puis prendre en compte les dynamiques de chaque territoire. Chaque territoire est différent, voilà, avec des territoires plus ruraux, plus urbains, plus métropolitains. Et donc ça sera important de le prendre en compte. Et puis, dernier point, et là, peut-être j'interpellerai les agences là-dessus, c'est qu'on a bien soulevé le problème de la notion des définitions. Tout ça n'est pas encore bien acté. Un décret qui va paraître bientôt, bientôt quoi, qu'apparemment, j'ai appris que c'était dans les 2-3 ans, donc c'est un petit peu dommage. Mais on voit qu'il y a un vrai enjeu à avoir une définition claire et puis des outils de mesure adaptés. Aujourd'hui, on n'a pas l'outil de mesure pour la mesure de l'artificialisation. On l'a sur la consommation d'espace, mais pas sur l'artificialisation. Donc, par rapport à ça, peut-être, je peux laisser peut-être la parole à Ludovic qui pourrait nous dire des choses là-dessus. Absolument. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir remis en perspective les interventions et par rapport à votre conclusion. On vous remercie beaucoup. Alors, la toute dernière interpellation de la conclusion, elle va vers Ludovic Meillet, qui s'est beaucoup investi dans la préparation de ce séminaire et qui va nous amener sur la question, bien sûr, des questions des outils de mesure, plus généralement, de l'évolution de ces outils et peut-être de l'accompagnement des élus. Ludovic, je ne vous vois pas. Si, je suis là. Ah, super. Donc, merci à vous de conclure, de bien conclure. Alors, on finit pas fâché, c'est déjà pas si mal, si je comprends bien. On finit pas fâché, mais on finit avec pas mal de controverses dans les trois tables rondes. Et je remercie au nom des présidents et de la présidente et du président pour le faire dans ce sens-là, des directeurs et bien évidemment de tous les collaborateurs de l'agence urbaniste qui ont participé à l'organisation de ce séminaire, l'ensemble des intervenants. J'ai trouvé qu'à la fois, nous avions réussi à faire de la controverse, mais nous avions réussi à le faire aussi calmement qu'en d'autres temps sur des questions économiques, notamment en 2019 avec des universitaires. Donc l'objectif est rempli. La conclusion est peut-être pour répondre à Jérémy. Moi, ce que je retiens quand même du séminaire, c'est que je vais faire une analogie médicale. Voilà, cette saison, et je vais l'emprunter à un avocat conseil, qui est l'avocat conseil de l'agence urbaniste de Saint-Étienne, qui est Maître Solaire Couteau. Bon, il y a un gros débat sur la maladie. Est-ce que la maladie, c'est une consommation d'espace? Est-ce que la maladie, c'est l'artificialisation des sols?
Ça, c'est pour moi ce que je retiens encore de ce séminaire, et je rejoins les propos qui ont été tenus sur la faiblesse juridique, en tout cas, des projets de loi qui sont en cours de discussion à l'Assemblée nationale sur ce plan-là. Évidemment, quand on fait une analogie médicale, et on est sûr que d'une chose, c'est que la maladie, elle est auto-immune. Hein. Globalement, c'est un peu nous le problème, et le problème se pose aussi à nous. Donc, globalement, je trouve cette analogie plutôt pertinente, et puisqu'elle ne m'a tient pas, je la poursuis. On connaît les symptômes, et les symptômes, il y en a eu plusieurs. Alors, il y en a qui ont été plus ou moins approfondis dans le débat qui a été le nôtre aujourd'hui, mais j'en retiens trois. Perte de biodiversité, puis personne ne la remet en cause. Enfin, elle est claire, elle se voit, elle est palpable. Perte de capacité de production agricole et notamment d'autonomie alimentaire. C'est quand même une vraie question. Je l'ai vu apparaître dans le chat. Elle n'a, c'est vrai, pas été complètement traitée dans les différentes interventions, ou alors par petites touches. Mais posons-nous quand même ces questions-là à l'aune aussi d'un territoire français qui est d'abord aussi un territoire agricole et un de ceux qui, en France, a réussi encore à produire une agriculture de qualité. Le troisième symptôme, c'est l'impact climatique et énergétique. Alors évidemment, il est dans la construction, les modes de construction, il est aussi sur les modes de faire et sur l'organisation de l'espace, notamment à travers les mobilités qui aujourd'hui sont complètement affolantes dans une région métropolitaine comme la nôtre, notamment entre Lyon et Saint-Etienne, mais pas seulement entre Lyon et Saint-Etienne, aussi à l'intérieur de ces deux bassins de vie qui coopèrent, qui collaborent, mais qui ont aussi une autonomie réelle l'un par rapport à l'autre. Et quand on fait cette analogie médicale, évidemment, on est tous à la recherche d'un traitement. Alors, certains diraient un vaccin actuellement, et donc on doit peser des bénéfices-risques. Évidemment, il y a du bénéfice, mais il y a aussi des risques. Et je trouve que, en tout cas, les propos de la Fédération française du bâtiment sont interpellants de ce point de vue-là. Il y a un risque, car derrière, je les ai entendus parler pas seulement de leurs opérations et peut-être de leurs gains financiers propres, mais aussi des produits de sortie. À qui s'adresse-t-on ? Où va-t-on loger la classe moyenne quand tous les logements sortiront entre 3, 4 et 5 000 euros du mètre carré ? Parce que, voilà, c'est des vrais questionnements. Il est à l'intérieur d'une analyse bénéfice-risque, évidemment, et à l'intérieur d'une analogie médicale, il nous faut un thermomètre. Et ça, c'est la question de Jérémy. Et aujourd'hui, les agences, elles n'ont pas les deux pieds dans la glaise. Là-dessus, ça fait 20 ans que les réseaux des agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes partagent, collaborent sur ces questions. Alors, très orientées sur la consommation d'espace, elles collaborent sur un outil, elles créent du lien entre elles. Force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a pas d'outil magique, sans mauvais jeu de mots, qu'il n'y a pas d'outil qui permet de répondre à l'ensemble aujourd'hui des questionnements que nous avons abordés. Et je suis sûr de quelque chose, et j'emprunte à Sylvain Grisot un propos qu'il a tenu dans la presse récemment, il y a bien une différence entre le « où nous faisons la ville » et « comment nous la faisons ». Et si nous devons avoir un outil de mesure qui doit répondre à où nous faisons la ville et comment nous la faisons, alors le chantier est devant nous, très clairement, et la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et particulièrement celle de Lyon et Saint-Etienne, auxquelles j'associe Grenoble et Clermont-Ferrand dans un région régional, sont aujourd'hui en train de réfléchir à la question et de réfléchir en lien avec d'autres partenaires, et notamment l'État. Mais nous ne croyons pas, par contre, à la création d'une occupation générale des sols qui viendrait tout résoudre à l'échelon national. Et si cette occupation générale des sols se transforme en Corinne Lancover de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols, alors rappelons-nous ce que Corinne Lancover ne nous permettait pas de faire dans les années 90 quand il s'agissait de parler de trame verte et bleue. À chaque outil, il y a évidemment besoin de l'adapter à l'accompagnement. Et je ne veux pas qu'on retienne pour les agences d'urbanisme, et j'en finirai là, simplement la question de la mesure. Nous sommes des outils d'ingénierie partenariaux, et donc ce qui nous interpelle aussi, c'est évidemment deux autres champs. Un champ que je vais passer très vite, qui est le champ de la fiscalité. Ce n'est pas le champ sur lequel les agences urbanistes sont les meilleurs, mais par contre, il a été abordé dans le séminaire. Et effectivement, aujourd'hui, force est de constater que le projet de loi, et ce n'est pas une critique que je lui adresse, je ne suis pas législateur et encore moins gouvernant, mais le volet fiscal, il est complètement absent. Il est là, réintroduit par un amendement d'une députée qui ouvre possiblement à un rapport qui, dans les 6 mois, permettrait d'envisager une réforme de la fiscalité de l'urbanisme. Très bien, mais tant que nous n'aborderons pas cette question de la fiscalité de l'urbanisme, des opérations, mais aussi des dispositifs fiscaux, ça a été noté dans le chat, aussi des aides à la pierre en France qui sont très importantes, nous ne réglerons pas le problème. Aujourd'hui, tous ces dispositifs ont quand même été, il faut le noter, des pousses au crime, ou plutôt
des motrices de l'étalement, je crois que c'était le propos d'Emeric Fabrice à un moment dans le séminaire. Et effectivement, cette question me paraît essentielle. Je la passe vite parce qu'elle est en soi, elle mériterait un séminaire elle-même, un webinaire elle-même. Pour en retenir plutôt une dernière, et je pense là où les agences, mais pas seulement les agences, et pas les agences toutes seules, peuvent effectivement participer à l'accompagnement des territoires, c'est sur ce que contient le projet de loi, notamment suite à des amendements de la DCF et de la Fédération nationale des agences urbanistes, portés évidemment par des députés à ce stade, sur la création de conventions de sobriété foncière. Et j'invite tous nos auditeurs à regarder le contenu. Alors, on verra comment tout ça sortira dans la vraie loi. Mais globalement, ces conventions de sobriété foncière qui devraient donc se conclure entre l'État et les collectivités à des échelles pertinentes, pourquoi pas les SCOT, doivent au moins agir sur trois éléments. Quelle est la trajectoire à atteindre? Car je pense et j'assume le fait qu'aujourd'hui, toutes les trajectoires ne sont pas égales. L'objectif de moins 50%, c'est un objectif national. Faut-il appliquer moins 50% à tout le monde? Certains diront, j'en ai déjà fait moins 30 quand l'autre en a fait moins 10. Donc, faire moins 50% de quelque chose de complètement incohérent, ça reste peut-être encore d'une grande n'importe quoi. Donc, globalement, il y a besoin d'adapter les trajectoires à atteindre à la réalité des territoires, à la réalité de leurs efforts, c'est ce que disait Jérémy passé, mais aussi à la réalité de leurs capacités. Pour former véritablement un cadre de référence qui soit partagé et qu'on ait vite les débats impossibles à l'échelle des opérations, à l'échelle des documents de planification et entre deux avec les agences urbanistes qui ne savent plus à quel sein se vouer car nous sommes des constructeurs de politiques publiques à la demande de nos membres. Le dernier élément de ces conventions foncières, c'est surtout qu'elles devraient intégrer les programmes. Et là, très clairement, à mon sens, il faudrait que ces conventions foncières puissent être aussi travaillées, coordonnées avec les fédérations françaises de bâtiments, peut-être avec d'autres éléments, peut-être plus écologiques, peut-être plus écologues, de manière aussi à ce que les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de l'aménagement soient comprises dans ces conventions de sobriété foncière. Il m'apparaît que c'est un élément important et intéressant de la loi au-delà de toutes les vertus que certains pourraient lui trouver par ailleurs. Voilà, j'en ai conclu et je vous remercie particulièrement Angèle pour l'animation. Je sais que c'est pas facile, depuis un an à distance les uns des autres. On connaissait les qualités que vous aviez d'animer en physique. On a découvert aujourd'hui vos qualités d'animation à distance. Voilà, je vous remercie. Je remercie bien sûr tous ces compliments à Sabine Lepier, chef projet, Jean-Christophe Tépélian, Anne-Gaëlle Contin et bien sûr Benjamin Fritto, la relève qui est là pour les années qui viennent. En tout cas, je ne sais pas si on va bien s'engager sur l'aire métropolitaine et la trajectoire de sobriété foncière, mais on aura engagé un bon débat et c'est déjà pas si mal. Merci à tous, à très vite et il faut y croire. À très bientôt. Au revoir. Merci.